Ah, vous m'entendez enfin? Ça fait trop longtemps, vous m'avez tous trop manqué, comment vous allez? Mais je voulais faire un petit moment où on parle comme ça, genre c'est chill. C'est chill parce qu'on parle. Quelle joie. Là, je mets quand même un peu de musique. Du coup, vous allez bien? Je vous vois dans le chat. J'ai vu qu'Alex était là, coucou Alex, ça fait longtemps. Du coup, ouais, j'ai remis mon mémoire aujourd'hui. Et puis là, j'ai dû faire le live plus tard parce que je me suis rendu compte que la version que j'avais envoyée, c'était pas la bonne. Attends, j'ai vraiment une tête. Ah, franchement, j'ai vraiment une tête où c'est pas beau à voir. Hein. Pourtant, j'ai essayé de cacher mes cernes avec The Lenticerne. Comme vous le voyez, ça n'a pas fonctionné. Mes cernes étaient à un autre level, on va dire. Mais bref, j'espère que vous allez bien. J'étais hyper stressée d'arrêter les lives parce que là, ça va faire quoi? Ouais, ça va faire pile 2 mois que j'ai arrêté les lives. C'est dingue quand même. Mais du coup, voilà, vous m'avez tous trop 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 manqué. Et je suis contente de retourner ici et de recommencer le live. Ah, Alex est reparti. C'est gentil ça, Alex. Merci. Ok. Bon. Je vois qu'on est quand même pas beaucoup. C'est normal. Bah, j'ai arrêté le live pendant 2 mois. Donc, hein, je m'attendais pas à ce qu'on soit comme quand j'ai arrêté. C'est la vie. Oh, Spring Bunny! Oh, Packer! Mais tout qui était sur le live de Sun, mais que faites-vous là? Hello! Oui, je suis une revenante. J'ai une tête de revenante. Comment vous allez? Oh, ça fait trop plaisir de vous revoir tous! Oh, je vous jure, j'étais paniquée, vous imaginez même pas à quel point. Genre, je me disais, ouais, j'ai arrêté pendant 2 mois. 2 mois sur Internet, c'est énorme, hein, on dirait pas, mais. 2 mois, c'est incroyable quand même, hein. Oui, j'ai fini mon mémoire, je l'ai envoyé aujourd'hui. Donc je suis hyper contente. Bon, de base. Hello Mia! Ça fait trop plaisir de tous vous retrouver. Oh, je vous jure, je suis en PLS. Hein. En plus, j'ai raté mon permis. Oh, il faut que je vous raconte. Baka, tu vas rigoler. Je vais vous raconter, avant de commencer le jeu, comment j'ai raté mon permis. Je me sens tellement niquée. Non mais ouais, du coup j'ai envoyé mon mémoire aujourd'hui. Il était fini, il n'était pas parfait. Oh, trop gentil, merci Sun. Il est gentil. J'ai vu qu'il faisait Assassin's Creed aussi d'ailleurs. Donc bon. Non mais vous m'avez trop manqué, ça fait trop plaisir. Vous imaginez même pas à quel point, genre à quel point j'étais stressée. Sache que pour réussir ton permis, il faut pas dire que tu le passes. Mais. J'aurais remarqué. Hein. Non, mais si. Genre, regardez, en gros. On fait l'examen et tout se passe très bien. Je mets mes clignots, je regarde dans l'angle mort, je respecte les priorités de droite, les priorités des ronds-points, tout ça. Et à un moment, on est sur l'autoroute et j'ai mal compris la destination qu'il m'a demandé de suivre et du coup, je suis allée sur la bande du milieu et je suis pas restée sur la bande de droite. Voilà, c'est pour ça que j'ai raté mon permis. Je vous jure, c'est la seule faute que j'ai faite. Et c'est ça qui m'a mis d'ailleurs dans mon examen. Il m'a dit, l'examinateur qui me fait, ok, mais oui, ta conduite, elle est parfaite et tout, même si un petit peu scolaire. Par contre, à un moment, t'as changé de bande et c'est pour ça que t'as pas ton permis. Et j'étais en mode. Mais j'ai mis personne en danger quand j'ai changé de bande, j'ai mis mon clignotant, hein. Je vous jure, j'ai mis mon clignot, j'ai vérifié et tout. J'étais au taquet, hein. Donc bon. Il y a un peu de haine en moi, en plus des cernes. Mais je le repasse, du coup je vais pas vous dire quand. Surprise! Vu que Bakel dit qu'il faut pas dire quand est-ce qu'on le passe. Mais vous verrez. De toute façon ça va se voir direct. Putain, j'ai dit ces cernes! Oh là là! Je suis désolée, je peux pas m'empêcher de regarder ces cernes qui sont le travail de 2 mois. 2 mois de travail. Acharné pour rendre ce foutu mémoire. Ah, je suis contente. Je suis contente. Bon. Du coup, tout le monde va bien, tout le monde est là. Est-ce que on commencerait pas notre petit Resident Evil Village qui est prêt, qui est téléchargé, qui est prêt à être lancé? Moi, je pense que oui, que c'est le moment de le lancer. Donc, on éteint la musique parce qu'elle n'a aucun rapport avec avec le jeu. Et oui, ah, attendez.
Alors, vous avez remarqué, enfin certains avaient remarqué que ma manette Xbox était un peu une manette fausse. Tu vas continuer le jeu que tu avais fait il y a 2 mois. Ouais, bien sûr. Évidemment, il était trop bien. Je suis obligée de le continuer. Donc oui, je vais le continuer en espérant que les gens se souviennent de l'histoire et tout ça, ou sinon je peux faire un petit récap. Mais oui, je vais le continuer d'office. Il était trop cool. De toute façon, là, jusqu'au 26 juin, le seul truc qui me reste à faire, c'est de finir ma bande dessinée de fin d'études. Attends, ils te font monter sur l'autoroute pour ressortir direct à la prochaine. Donc, il faut toujours rester sur la droite. Et en plus, dans le code de la route, tu dois rester à droite. Et que prendre celle du milieu pour dépasser. Donc, voilà pourquoi ils t'ont fait rater, malheureusement. Oui, mais c'est pas. Tu vois, moi, je pensais que si je ratais, c'était pour une erreur éliminatoire, tu vois, une erreur grave. Parce que si le gars me dit que ma conduite elle est parfaite, tu vois, je m'attends quand même à un peu mieux que ça. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, quoi. Mais oui, du coup, oui, je vais commencer. Je vais continuer à Plague Tale Innocence. Ah oui, et du coup, je disais qu'il me restait que ma BD de fin d'études à remettre pour le 26 juin. D'ailleurs, le 26 juin, il y aura un petit stream qui se déroulera lors de mon jury de fin d'études. Si vous trouvez ça chelou, ne venez pas. Et voilà, c'est pour une performance. Comme ils aiment bien dire dans le milieu de l'art. Ah oui, et du coup, vous avez remarqué, ma manette de base, c'est celle-ci. Donc, c'est clair. Attends, on la voit pas bien. Voilà, c'est clairement une manette. T'es pas vraiment une manette Xbox. Et du coup, j'ai fait cet achat de vraie manette Xbox. Quelle joie! Quelle joie! Donc, je vais pouvoir jouer avec une vraie manette. D'ailleurs, je vais l'allumer. Bah, pour eux, c'est une erreur grave. T'inquiète, j'ai raté aussi pour une connerie la première fois. Mais pour eux, c'était une faute grave. Oui, tu vois, mais ça saoule parce que tu dis, le gars, il dit, ta conduite, elle est parfaite, t'as fait bien tes manœuvres, t'as mis tes clignots et tout. Et puis, il te fait échec. Et toi, t'es là en mode, quoi? Pourquoi? Donc, bon, ça m'a saoulé, mais c'est pas grave, les échecs dans la vie, ça arrive. Donc, ouais, bon. Est-ce qu'on lancerait pas notre jeu? Attendez, j'ai encore oublié un truc. J'ai oublié de vérifier si. Comme ça fait 2 mois que j'ai pas repris, il faut bien que je vérifie que tout mon setup il soit normal. Et du coup, Ah si, vous m'entendez quand même. Mais vous m'entendez pas avec le bon micro. Parce que du coup, je peux pas changer de voix si je veux. Et ça, c'est dommage. Et maintenant, tout va bien. Audio capture, tout va bien. Bah, c'est bon, on peut lancer le jeu. J'avais oublié ça! J'avais oublié. Oh là là. Quoi donc? Oui. Puis jouer. Pourquoi me mets-tu ça en petit écran? Eh, non mais oh. C'est grand ça. Oh, la réduc... Putain, je déteste ton pseudo. Et j'oublie qui tu es. Je vois la réduc. On t'entend bien, parfait. Et je vais vite faire régler les trucs qui sont un peu casse-couilles là. Je sais pas pourquoi ça me le met pas en plein écran. Oui, du coup vous avez une vision de merde. Ça arrive. Je peux pas d'abord mettre les options? Ah si. Ça fait tellement plaisir d'avoir une vraie. Voilà, c'est ça que je voulais. Ah, du coup, vous avez. Ouh là là. Oui. Attendez, je vous mets ça bien. Voilà. Là, vous avez une bonne vision du jeu. Désolée pour les réglages, hein, c'est le premier live depuis longtemps. Halte entrée pour plein écran. Mais qui? Ça fait longtemps! Non, je laisse la résolution au max et si ça bug, on verra. On va quitter. Hein. Ah si, en espérant que ça ne bug pas. Les commandes, c'est bon. Ça fait trop longtemps, Mickey! Comment tu vas? Ça m'a manqué. Dites-moi si vous entendez bien les deux sons, ou si ma voix est trop forte, ou si le son du jeu est pas assez fort. Je peux un petit peu augmenter le son du jeu pour être sûr. Et je suis contente de pouvoir faire un jeu à sa sortie parce que t'avais
elle est le DLC pour Binding of Isaac qui est sorti, bah du coup je devais bosser sur mon mémoire. Donc, quelle joie. Allez, go. On va aller en standard, hein. On va pas non plus trop exagérer, on est d'accord. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt pour les cinématiques, je vais enlever ma cam. Froid et pesant, les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Eh ben non. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. Mais tu lis pas des histoires comme ça aux enfants? Pas des histoires moins flippantes. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. Ah, je commence à bouger. Heureusement. On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. C'est spécial, hein, quand même. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis aujourd'hui, prudent. Aujourd'hui, j'ai dit à mon crush de m'ajouter sur Snap, il l'a toujours pas fait. Va prudemment mettre ta fille au lit. Oh, ça c'est dur. Ça c'est dur. Je vais préparer le dîner. Alors, on n'attend pas Patrick. Alex, t'es revenu. Tout va bien. Coucou. Ta mère préfère oublier vous tout. Vous m'avez manqué tous les deux, hein, mais qui est Alex? Je peux pas lui en vouloir. Enfin, vous m'avez tous manqué, hein, de toute façon. Vous m'avez tous manqué. Tu as dit quelque chose? Rien. Ta gueule. Je vais la coucher. Pardon. Un peu de violence. Ok. Et regardez, j'ai une vraie manette Xbox maintenant. Voilà. C'était. C'est un peu le bordel, hein, quand même, chez eux. Ou un piano. Et je veux bien aller la coucher, mais personne me dit où est la chambre. Je peux courir avec le bébé dans les mains. Ah, c'est bien, les portes, elles s'ouvrent toutes seules et personne ne se pose des questions. Ça, ils ont une... Ils ont... Ils viennent d'emménager à... Je dis pas ça, mais en général, quand tu commences à couvrir les miroirs comme ça, on met le bébé dans les toilettes. Attends, peut-être on peut le mettre dans le four. C'est peut-être moi le monstre du jeu, je sais pas.
C'est des sacrées bouteilles de vin, hein, là, quand même. Allez, dans la marmite, le bébé. Comment est-ce que je peux le lâcher? Je peux pas le lâcher. T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Si. Ça, par contre, c'est un truc pour bébé. C'est... Qu'est-ce que tu fais, Ethan? Mais le repas est déjà prêt. Ah, c'est le repas, ce truc? Né. Bof, bof. Dans le frigo, peut-être? Bon, apparemment, ils vont pas nous laisser faire ce qu'on veut. Quelle déception. Oh, mais ça commence déjà. Voilà pourquoi je veux pas avoir d'enfant. Mais pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Oui. Mais c'est quoi? Mais les gars, vous êtes deux. Allez, vous êtes trois avec le bébé. Ah bah, on a trouvé les toilettes. Non, on peut pas le lâcher dedans. Je suis désolée, Spring Bonnie. Ah, on peut donner des pilules au bébé. Pas le marmot qui braille, bah ouais. Ah, en plus, elle s'appelle Mia. Depuis l'incident. Ah, là, il y a un miroir? Ah non, il a été peint. Ah. Bon, on peut pas donner les médocs au bébé. Mais ils ont une maison incroyable. Maman et moi, on adore cette mélodie. C'est là que ça implose. Non mais... Je suis la seule qui trouve vraiment pas ça beau, un bébé. On y est presque, ma puce. Attention, on y est presque, nous on veut d'abord aller ailleurs. Non mais... Ok, j'ai cru que c'était la chambre du bébé, putain. Je suis en mode, mais quel bébé a une chambre pareille? Ah bah en fait si, c'est... Ouais, enfin c'est la chambre des deux, quoi. Bon, allez, le bébé. Et voilà, mon ange. Et je suis parée à avoir peur. Hé, Audrey! Coucou! Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Celui-là est pas beau, en tout cas, mais de ouf. Il est dégueulasse. Non, il est vraiment pas beau. Je suis désolée. Regardez sa tête, là. Ah. J'ai un problème avec les... Ah, maintenant, je peux courir, maintenant que j'ai plus le bébé. Oui! Attends, c'est lui qui fait ce bruit? Ah, le miroir est aussi couvert. On est sur une psychopathe des miroirs. Pourquoi pas. On est sur des portes qui claquent. Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Oui. Il est beau sous certains angles. Alors, ah, je vais pouvoir reprendre... Les bébés deviennent de plus en plus moches de ouf. Je vais pouvoir reprendre ma joie de faire des voix. Alors, fin de l'enquête sur l'incident de Dulvey. Les investigations sur les émanations de gaz toxiques survenues à Dulvey, en Louisiane, en 2017, ont officiellement pris fin le 18 de ce mois. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sédimentaires du sous-sol. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker, 57 ans, et sa famille qui vivait dans les environs. Quant aux Winters, qui, semble-t-il, étaient également présents sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où ils se trouvent à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. Personne se souvient de cette histoire. Ça m'a fait trop manquer. Par contre, j'ai pas vu où le bébé était beau sur certains angles. Quoique, ouais, allez. Attendez, on retourne juste pour essayer d'estimer si le bébé est beau sur certains angles. C'est là qu'il est plus là, tu sais. Alors, cet angle-là, on peut dire... Oh, cet angle-là, il est dégueulasse. Celui-là aussi. Attends. Comme ça, ça passe encore. Non, mais si tu bouges juste quand on dit que t'es beau, ça va pas le faire. Hein. Non, il est pas ouf. Et regarde en plus son truc, on dirait qu'il est fait en papier mâché, là.
Bref, on arrête de cracher sur le bébé. Pas littéralement bien, évidemment. On va aller voir ce que madame. Il a un triple menton de ouf. Mais vraiment au plus. Elle va faire des ravages. Ah, là, ça passe. Oui, mais t'as pris une photo sur le bon angle aussi. C'est facile de dire ça. C'était vide. Bon, je pense qu'on a checké un peu partout. Ah non, il y avait une dernière pièce dans la cuisine. Et je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Mia fait tout elle-même. Du coup, ces trucs s'entassent. C'est pas un placement de produit. Hop. Elle fait pas tout elle-même, ça elle l'a acheté tout fait. Fous-toi de ma gueule. Même Gollum est plus beau, putain de ouf. Attends, vous avez pensé que je suis vénale, mais vous savez c'est quoi mon objectif là? C'est de récupérer tous les abonnements qui sont partis pendant 2 mois. Mais attends, il se fout de ma gueule, il est là en mode, elle fait tout toute seule. Non, mais ça elle l'a pas fait, elle l'a acheté. Acheté. Si elle t'a dit qu'elle l'a fait, tu es un pigeon. Vraiment. Pigeon. Bon. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Lol. Est-ce que c'est bon, un ça, bébé? Hé, hey, bats les pattes. Elle vient de le frapper avec c'est une bouche qui est de bouillante. Légumes. Une recette locale. Wow. Une soupe, quoi. Tu t'adaptes vite, toi. Juste que chamba, ça veut dire soupe en même goût. Le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu n'y touches pas. Ah, il faut monsieur vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Monsieur aurait-il un petit problème d'alcool? Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire. Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Le vin. Maintenant, je suis sûre que sérieusement, tu vas... Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Merci de prévenir. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mais j'ai prévenu, mais coucou Boogie. Mia, baisse-toi! Mia! N'était pas prévu. Mia. Je ne m'attendais pas à ça. Mais bah t'étais mal caché, t'étais derrière là. Qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Parce que c'est un vampire. Putain! Pourquoi? Bye, tu t'en vas, Paca? Ah non, tu disais bye à la madame. Bye à la madame. Je suis un petit peu fatiguée, honnêtement. Avance! Ah, je dois vraiment avancer. Oui, mais personne m'avait dit. R.A.S. Je peux pas m'enfuir en courant. Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan. C'est bon, non. Elle était déjà tête, je crois. Bah à mon avis, ça doit être un vampire ou un truc du genre. Sortez-le d'ici. Mange le bébé. Non, on a déjà essayé de le mettre dans la casserole, ça a pas fonctionné. Bah c'était cool. Nous l'avons. Il dit ça comme si c'était une arme. Nous l'avons. Ah bah là, s'il avait déjà un traumatisme, je crois que ça s'est pas amélioré. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. Ah, c'est un flashback. Elle est habillée de la c'était même façon. Docteur. Il faut changer de vêtements. La semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Alors, il et pour courant. La énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle ira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça? On s'en bat les couilles. Je tiens à toi. Ah oui, j'avais dit les tu vois pas de et de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. J'ai envie de te manger. Merde. Faut que je réponde.
Oh mais non, mais ils vont nous mettre que des photos du bébé là. Bon, là, il y a des gens qui sont morts. Je ne comprends plus rien. Je viens de commencer aussi. Où sont les tours? Vous avez recollé? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Je réponds, mais... bah, hey, c'est pas de ma faute. Il y a vraiment des gens qui ont un collègue qui travaille dans son téléphone. La flemme de leur donner un nom et d'expliquer pourquoi. Travail. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez le début du jeu? Si jamais il y a des lags ou des freezes ou quoi, n'hésitez pas à me le dire direct, comme ça je peux régler le problème. Moi quand j'aurai mon permis. Je me vanne moi-même. En tout cas, notre cher monsieur a des difficultés à marcher. Ouais. Il peut courir? Ouais, non, quelle question con. J'ai entendu un truc bouger. Seiko, il adorait trop la neige comme ça. La type va faire un ragoût d'enfant de ouf. Un ragoût d'enfant vampire, s'il te plaît. Apparemment, c'est pas la même chose. Non mais je vous ai entendu, hein, le monsieur qui est derrière moi. Tout le monde vous a entendu. On est plusieurs à pouvoir le dire. Putain, vous avez trouvé ça bizarre, mais je pensais qu'en live on pas pendant 2 mois, j'aurais perdu les habitudes. Me dis pas comment je peux m'accroupir. Ah. Comment ça, je suis casse-couille? Un petit peu. Et d'ailleurs, je pensais la... Ah, j'ai... Et d'ailleurs, je pensais exactement la même chose pour la conduite. Je pensais qu'en conduisant pas pendant une semaine, j'allais perdre. Enfin, j'allais oublier comment est-ce qu'on conduit. Ah ah. Enfin, juste la vision, elle m'a l'air un peu. Non, mais je t'entends. Tu veux. Ok, j'ai rien dit, je continue à avancer. Je ferme ma gueule. Pardon. C'est des œuvres artistiques très charmantes. Ah. Ok, d'accord. En tout cas, il aurait pu se faire un ragoût de corbeau vu le nombre qu'il y a là. J'avais oublié ce que ça faisait de jouer un jeu d'horreur. Du coup, je dois suivre les corbeaux morts. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée de suivre les corbeaux morts? Non mais là, je t'ai vu. Non mais je t'ai vu. Alors, tu viens de là, ça veut dire que... Ça commence bien. Hein. Je suis vraiment obligée de suivre le type chelou qui est à poil et les corbeaux morts. Il y avait pas un truc un peu plus glamour quand même? C'est dans Harry Potter, non, t'avais Ron qui disait. Mais pourquoi c'est toujours un truc comme suivre les araignées et pas suivre les papillons? Un corps moche. Ah, je pouvais rentrer là-dedans. C'était un test, mais... Ok. Et du coup, là, il a une lampe torche, en fait? Ou genre juste, c'est son aura qui éclaire... Ah, chouette, de l'eau. On peut interagir avec. Ah, c'est bien, il a enlevé le truc qui... Il faisait une petite goutte d'eau comme ça, c'est hyper chiant. Je déteste ça. Des médocs, du sang, ok. De l'ail. On est sur un fanat d'ail et de... J'ai vu un truc bouger dans les patates. Une charmante demeure que vous avez là.
Ouais. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ok, je commence déjà un peu à paniquer. J'ai rien fait. Il y a un truc. Oh, je vais devoir monter au-dessus. Je dois vraiment suivre cette ouverture. Ça m'a fait peur. Oui, surtout qu'il a pris avec ses doigts comme ça. Je dois vraiment suivre les traces de sang là. Ah. Ça donne pas. Et ça, je peux le prendre quand même au moins. Oh putain. On a un monsieur quand même qui a des goûts pour les statues relativement étranges, hein. On est d'accord. On est sur un goût décoratif pas ouf. Ok. Putain, Audrey! J'avais oublié ça aussi. J'avais oublié que vous pouvez tout autant me faire flipper que moi-même ou que le jeu. Heureusement, je suis pas encore trop dedans. Je le faites pas après. Oh, un truc! Ok, on est vraiment sur un goût pour la déco. Pas ouf, quoi. Mais, ok. C'est quoi, c'est un Jésus avec un énorme pif? Ok. Il va se calmer, le monsieur qui tape à la porte. C'est là qu'en fait c'est mon voisin. Et qui tape à... je suis moyen motivée pour ouvrir cette armoire où il y a potentiellement quelqu'un d'enfermé dedans. Je sais, j'ai pas le choix. Hein. Vous en pensez quoi? J'ouvre ou j'ouvre pas? Né. Je dois. Bon, allez. Arrête d'ouvrir les. Putain. Je sens que. Je vais me retourner, ça va pas se passer comme prévu. Caché. Mais... Ferme les yeux et ouvre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Et quelque chose me dit que je vais pas pouvoir remonter. Ok, bah quelque chose m'est dit. Ah! On est sur un monsieur relativement énervé. Non, mais c'est pas cool ça. Ah si, je peux. Oh. Il a fait un piège à souris là, non? Et t'étais pas obligé de faire ça pour passer, hein, gars, t'es. Un petit peu tatillon quand même notre personnage. Je saurais pas jouer un jeu comme ça, sauf si je cache mes cheveux tout le long et que je mets pas de son. Ça serait un peu compliqué de ça, genre. Tu ne vois rien? Oui? Non. Comment j'ai pu être semi-saisie par un paix? Attends, mais c'est la journée du coup maintenant? Attends, je suis rentrée par là, moi? Attendez, je comprends plus. Rentrer par où? Il n'y a pas un indice du monsieur là qui a pété? Ah, il peut ouvrir ça. Avant, je pouvais pas ouvrir. Je peux rien prendre dedans. D'accord.
Ben, on sait que le gars doit adorer attacher des choses. Ça nous dit pas grand chose sur ce qu'il est. Moi, en vrai, j'arrive facilement à y jouer quand je suis en live, mais toute seule. J'ai déjà essayé de faire un Outlast toute seule dans le noir, tu vois. Ce son de paix, c'est le tien. Ah non, les miens... Il vaut mieux pas que vous les entendiez, hein. Ça ferait genre BOUM. Je trouvais ça marrant parce que je suis une enfant de 5 ans. Ouh, c'est joli. Un corbeau vivant cette fois. Vous avez vu, il est beau quand même, hein. Sur PS5, il doit être encore mieux, ceci dit. Mais... Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vachement beau. Ah. C'est le moment où ça commence un peu à friser, apparemment. Par où dois-je aller? Ah bah, par là. Dites-moi si, chez vous, l'image est fluide et tout ça. Hein. Oula. Ah ouais. Attendez, je vais juste changer 2-3 petits trucs, parce que... Je vois que... Je sais pas de quoi changer du tout, en fait. Il y a normal et entrelacé. Je teste des trucs. Oui, les fluides, c'est cool. Ah, ok. Ok, c'est juste sur mon retour à moi, en fait, que c'est pas fluide. En 60 Hz. Ah, je le mets en 60 Hz? Le jeu palpait. Ah, bah oui, je m'en doutais. Ok, bah c'était juste que sur mon retour à moi, ça laguait, alors. C'est possible aussi, hein. Non, mais je veux plus... Voilà. C'est le Resident Evil qui vient de sortir. Yes. Je l'ai mis en 60 Hz, du coup on est sur des pixels. Non, là je sais pas ce que j'ai fait, mais je vais enlever ce que j'ai mis parce que là c'est ça, d'un coup ça devient dégueulasse, on dirait un jeu PS1. Incroyable. Et en vrai, chez vous, c'était fluide? Il n'y a pas eu de bug? Ça me bouillit. C'est pas le 60... Heurt qui est mis en mode dégueulasse, ok. Bon, on va laisser en 60 Hz alors. 60 Hz. Et on va voir. Ah, en effet. Ah. Ah non, mais je viens de là. Putain, je suis con. Non, ça a l'air d'être toujours très joli. Et ça a l'air de moins ramer sur mon contour caméra. Ouais, non, ça a l'air d'aller. Nickel. C'est ça. Boogie. Je sais pas combien t'as... Oh, le chevalier est mort. Du coup, c'est l'élite qui va correspondre à tes images par seconde. Putain, mais vous arrêtez pas, hein. J'avais oublié. Putain, quand je vais streamer mon jury, j'hésite à mettre le son. Moi. C'est Echo, boubou. Je sais pas pourquoi il est là-bas. Oh, des œufs. Des œufs. Oh, putain. Je sais pas pourquoi il est là-bas. Vous croyez que je vais checker? Sûrement que c'est le même voisin qui rentre. Hein. Peut-être qu'ils sont sortis.
La soupe, elle a l'air chaude. Ouais, peut-être qu'ils sont sortis, mais vu l'état de leur maison, j'ai pas l'impression qu'ils sont sortis faire un petit tour en forêt. Hein. Peut-être qu'ils sont sortis. Ils sont peut-être juste un petit peu bagarrés avant. Ah, de nouveau, le Jésus chelou au long nez. Ok, great. Mais quelle personne dit ça? Genre, il rentre chez les gens, c'est complètement saccagé, il fait peut-être qu'ils sont sortis. Ah bien! Il y a donc moyen de crocheter des serrures. Il y a peut-être un truc pour crocheter des serrures ici, du coup. Est-ce que mon personnage sait crocheter des serrures? Bon, si jamais vous voyez des pinces... Ce livre est vachement mis en valeur par rapport aux autres. Je vois rien qui permettrait de crocheter une serrure. J'ai un sac. Non. Est-ce que je peux crocheter des serrures avec de la farine? Ah mais oui, c'est ça le temps de rafraîchissement de... Parce que regarde, genre si je fais ça... Tu vois, la qualité elle va changer au plus je regarde. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais dites-moi si vous c'est dérangeant ou pas. Je crois que c'est juste ma connexion internet en vrai qui a chié. Ah, je peux rentrer là. Attendez, il y a ma souris en plein milieu. Ok, on est sur un couple de cocaïnomanes apparemment. Qui est pas très... Tu m'interromps pas quand je parle de monstre. Je suis tellement pas confiante. Ok, nous... Ah! Mais j'aimerais bien prendre les objets en fait. Ok, donc à mon avis, il y a plusieurs trucs à faire ici. Dont un, trouver un objet pour crocheter la serrure et trouver un objet pour faire fonctionner l'évier. Ok. Non, mais c'est pas un corbeau ça, c'est Satan. Excusez-moi, mais. C'est des corbeaux, je les avais pas vus. Là, il y a écrit Do not enter. Et du coup, je vais essayer de rentrer. Parce que je suis trop une thug. Eh. Ok. Bon. Non, tu cours. Je m'en fous. Tu vas te faire un petit cardio, mon gars. Tu vas ressortir tout beau après. Ça t'empêchera de dire des conneries telles... J'espère qu'ils sont sortis. Mais il n'y a pas d'étage, tu peux pas marcher à l'étage s'il n'y a pas d'étage. Ah. Non mais je voulais pas fermer, je voulais voir s'il y avait un truc. D'ailleurs, mais qui t'a récupéré un PC? D'ailleurs. Peut-être que ça peut me servir pour crocheter la serrure. On teste des trucs, d'accord. Attends, je viens d'où moi encore? Là, non? Je sais plus. Non, mais une PS5. Oh! Yeah! En vrai, elle est chouette la PS5, hein. Ceci dit. Comme j'ai dit, sans vouloir faire ma privilégiée de... Eh, j'ai une PS5. Mais elle est chouette. Oh, ça
sa mère, il faut arrêter de faire ça. Essaye de mettre le jeu en qualité max. Yes. On va tenter. Ok, donc à 2, c'est ça? Car ton ordi est largement assez puissant. Oui, non, mais ça c'est sûr. Ah. Est-ce que ça lag chez vous aussi ou... D'accord, Rame. Non, mais ça lag que sur le retour caméra. Hein. Moi, il n'y a pas de souci hein, pour le jeu. Ton ordi rame sans live. Non. C'est juste chez vous, en fait. Moi, c'est fluide, tu vois, chez moi. Je pense que c'est vraiment par rapport à la connexion internet. N'oubliez pas que je n'ai pas la fibre, malheureusement. Après, peut-être 2, c'est peut-être un peu trop. On va essayer à 1,2. Mettre framerate 100 et la résolution de l'écran, on va la mettre un petit peu plus petite. Voilà. Ouais, non, mais c'est d'office. C'est d'office la connexion internet. Hein. Qui, là, elle doit se dire. Tu m'en demandes beaucoup? Ouais, ça rame toujours un petit peu chez vous. Hein. Le jour où j'ai la fibre. On va le mettre en 1.1. Je sais pas c'est quoi le framerate. Sur variable. Qualité de texture élevée, filtrage de texture élevée, ray tracing. Ah, je peux demander du ray tracing. Ça change quoi le ray tracing? Ça change quoi le ray tracing, les gens? On va voir. Ah là, vous avez plus rien. C'est les reflets avec la lumière et le temps réel. Ouais, on va enlever. Bon, désolé, hein. Ça vous casse un peu dans le truc. Ça bouffe à mort. Ah oui, non, alors on va enlever direct le rétrécissement. Il est là. Non. On va voir. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ah. Ça a l'air d'être normal maintenant chez vous. Dites-moi si ça va chez vous. Ah là, ça va, non? Il a gardé la qualité et tout. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Putain, on est 7! C'est trop cool! Bah, coucou les 7! Donc là, je suis en live sur Insta et je demandais de me faire un rapport de ce qui se passe. Mon dieu! Ça devient un peu du stalking, hein! C'est fluide. C'est fluide chez tout le monde? Ok, nickel. Alors, non, nous on vient de là, non? Oui, non, nous on vient de là. Non, on vient de là. Putain, j'ai aucun sens de l'orientation, c'est incroyable. Ça, on a checké. Ouais, nous. Je n'ai pas de sens de l'orientation, tout va bien. Putain. Il faut vraiment que j'enlève ce bruitage. Tu vas me dire, bon, c'est de ma faute, c'est moi qui les ai mis. Ah, ça, on n'a pas regardé. Ah, mais si, c'est de la... Je sais plus. Ah. Ça.
Il y a pas un truc. En tout cas, on a aucun des objets. C'est pratique. Donc ouais, il nous fallait un truc pour le puits. Je me souviens pas être passé par des têtes de chèvre coupées. C'est vrai. T'as raison, la carte. Et si c'est bleu? Attends, objet à récupérer, putain. Mais... Oui, c'est dans le puits. Et là, il y a un objet à récupérer, mais c'est parce qu'il faut ouvrir le truc. Et là, on est bon. Enfin, c'est vrai, la carte. Merci, Mickey. Que de bons conseils. Je me souviens pas être passé. Ah, je me disais bien qu'on n'était pas passé dans des têtes de chef découpées. J'en suis à la troisième partie. Sérieux? Ah, la troisième partie du jeu, genre c'est pas ta troisième partie. Oh, et tu viens quand même me regarder jouer, c'est trop gentil. Hihi. Il y a un mot. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Ah. Ah bon. Et là, les poules sont vivantes. Ça a l'air d'être le seul endroit où il y a des gens vivants. C'est bizarre, ça. C'est que c'est eux les coupables. Hein. Ah, j'ai rien dit, peut-être pas. Peut-être qu'ils sont pas vivants. J'ai un couteau. Je vais pouvoir me faire des tartines au beurre. Tabar. Tabar. Regardez comment je suis dangereuse. Pardon. Comment ça, j'ai un problème? Quelqu'un vit forcément ici. Il y a de l'eau. Dégueulasse, mais tu vas pas boire ça. Il y avait de la soupe toute fraîche et tu l'as pas bu. Et là, tu vas toucher à ça. Eh non, mais j'ai mon couteau, oui. Ouais, vu comment j'en ai chié à certains endroits, j'ai hâte de voir ton skill. Je veux dire mon non-skill. Hé, mon couteau. Couteau. Et est-ce que c'est avec le couteau que je devrais crocheter la serrure? Ça me paraît. Et non, mais j'ai compris que je peux interagir avec ça, mais je veux pas toucher à ça, ça a l'air dégueulasse. S'il te plaît. J'ai de la dignité quand même. Ah, oh, je peux couper la corde là. Bon, c'est un couteau inutile. Non, donc. Ah, déjà il me dit que c'est pas complet. Pourquoi? Bah, tu veux que je coupe la soupe? Il me dit que je l'ai pas complété. C'est qu'il y a un truc. Est-ce que je dois marcher accroupi comme ça pour trouver des trucs intéressants? Des fois ça marche. Des fois ça marche pas. Casse les caisses avec le ruban jaune. Ah non, c'est ça, j'avais pas vu. Il y a des caisses avec un ruban jaune. Du calme. Du calme. Il faut pas faire ça. Qui êtes-vous? Qui vous en prend? Pas bien dans votre tête, monsieur. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Cette tête. Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Non, pourquoi? Tu vas sauver! C'est tout ce qui me reste! Prenez-le! Prenez-le! Allez, go! Ça va niquer des mères. Oh mon frère. Là, tu tires dans le vent. Vous allez me répondre! Ouais! Il n'y a peut-être pas autant de vie que ça. Putain! J'ai un flingue! On s'en fout, j'ai un flingue. Ah non, ça va. Ah.
cadavres, ils sont là, les... Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Ok, donc j'ai un flingue, j'ai 10 balles. Et je sais pas pourquoi le monstre a décidé qu'il allait pas me tuer, genre... Je peux interagir avec sa tête. Bah du coup j'ai pas cassé les caisses avec le ruban jaune mais je m'attendais pas à ce qui se passe. Mais putain c'est quoi cet endroit? Ils ont tous la même tête un peu. Ah non j'ai rien dit. Ça c'est le seul blond qui est là qui tombe. On s'en fout de ce que c'était. Je voulais pas passer mon mode photo, je voulais juste lui tirer dessus en fait. Des coups de boulot, tu dois le tuer. En même temps, un FPS à la manette. Oh, tes commentaires, hein. Ah, mais là, j'ai 10 balles. Pourquoi est-ce que là, d'un coup, il me dit que j'ai 10 balles? Mais non, il est parti. Et c'est bon, il est parti. Comme quoi, en fuyant, au lieu de vous battre, vous gagnerez toujours quelque chose. Là on commence à rentrer dans le vrai concept de Resident Evil. Bah déjà on peut dire que fabriquer un truc de premier soin, non? On sait juste que t'aimes le challenge. Évidemment, j'adore le challenge. C'est pour ça que vous me voyez souvent faire des soul-like ou des jeux du genre. Mais du coup, la fuite reste la meilleure option. Vous n'êtes pas obligé de tuer les monstres qui essayent de vous niquer la gueule. Vous pouvez simplement fuir. Ah non, j'ai déjà tué Gaïs, sinon. Ouais, non, il n'y a plus rien. Hein. Je crois que je devrais peut-être lui donner un truc de soin parce qu'il a l'air d'être en PLS. Attends, c'est comment pour avoir mes trucs là? Comme ça. La meuf elle bouffe. Ces challenges sont vraiment de la fuite. Oui. Je m'en fous du challenge. Écoute. Mais qui t'a réussi à le tuer dès le début? En vrai. Donc, comme je le disais, la fuite, c'est bien la fuite. Ok, bah c'est moi qui suis pas douée. Hein. C'est bien. Hein. Ah.
Attendez, mais je suis rentrée par là, non? Non, mais j'avais dit la fuite. Ah putain, nique-toi! Je voulais camper comme une... comme une lâche. Pense à faire L1 pour te protéger. Yep. C'est nouveau que quand les zombies meurent, ils se transforment en plantes. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini, t'as entendu le... Ah si. Je t'avais éteint. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Je comprends toujours pas. Pas grand chose à l'histoire, on est... Ah! Bah si en fait. Moi j'ai réussi à en tuer un. Hein. Je suis contente. Donc ouais, ça fait quand même bien 2 mois que j'ai pas touché mon jeu vidéo. Hein. Donc peut-être je suis un petit peu rouillée. J'avais cru qu'il y avait un truc là. Donc je voulais aller checker. Bah, y'a rien de spécial, c'était dans ma tête. Est-ce que les plantes ça a soigné le fait qu'il lui manquait une partie de ses doigts? C'est vrai. Ouais, il reste ça que j'ai pas fait. Mais je sais pas si je peux y retourner en fait. Mais j'ai toujours rien pour projeter en fait. Est-ce que je peux y retourner? Ouais, non. Je me disais pas. J'ai pas le choix que de continuer par là, quoi. Les crochets, c'est bien après. Ah! Donc on va revenir par ici, quoi. De tirer sur lui. Il a dessus. Ok, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû marcher tranquillement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, c'est bien, t'as la ferraille. C'était très con, je l'admets. Je n'aurais pas dû. Et il dormait, je me suis dit, c'est un kill facile.
serait pas le moment de prendre des soins. Comment est-ce qu'on fait encore? Putain, les gars, je sais plus du tout comment est-ce qu'on fait pour... Là, c'est bon, je suis morte, on est d'accord. C'est des choses qui arrivent, d'accord. Attendez, j'en profite pour faire une petite intermission. Intermission où vous verrez pas ma cam. Oh bah ça fonctionne pas ici. Yeah. J'ai une petite pause cigarette. Ça vous dérange pas, bien évidemment. Et histoire qu'on parle déjà de ce qu'on pense du début du jeu et tout pour le moment. Donc, combien nous sommes? Nous sommes 5. Qu'est-ce que vous pensez du jeu pour le moment et tout Et pas de mon skill, hein. On parle du jeu, pas du skill. Merci. Non, en vrai, il a l'air grave cool pour le moment. Et j'espère qu'il sera pas aussi dur que ce que tu dis, Mickey. Bon, je suis morte comme une merde, hein. Peut-être que j'aurais pas dû tirer de sur lui sans raison, comme ça, pour avoir un kill facile. J'aime bien parce qu'en fait ce truc n'a pas d'intérêt, en fait je devrais le laisser en live et juste enlever la cam. Voilà. Oui. Je réfléchis parfois. C'est du... Sinon vous voyez juste un fond de bibliothèque, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non, donc ouais. Vous pensez quoi du jeu pour le moment? Je suis désolée d'ailleurs de ne pas pouvoir vous le streamer dans la plus haute qualité parce que... Bah parce que du coup ma connexion internet n'est pas assez bonne. Mais bon, en même temps, j'y peux rien. Hein, ça va le jeu. Ouais. Bah t'as pas fait le 7, tu risques d'être un peu perdu avec l'histoire. Yep, c'est vrai. Mais c'est vrai que... je m'attendais pas à ce que les zombies aient des massues, déjà, pour commencer. Et ouais, j'espère que... Okay. Moi, ce que j'avais apprécié, c'est le côté dans le château et tout qu'on voyait dans les démos. Et où il y avait beaucoup plus un côté Outlast, tu vois, que FPS. Donc, j'espère que je vais retrouver ce côté-là. Et oui, en effet, j'ai des problèmes de stream, apparemment. Je suis en train de capter. Image ignorée et détectée. Mais du coup, c'est quand ça a frisé, en fait. Mais bon, peut-être qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Et de le streamer en haute quali. Il faudrait que je check ça avant dimanche, normalement. Ça fait quoi de restream, alors? Mais ça fait grave plaisir, ça m'avait trop manqué. J'avais oublié à quel point c'était un plaisir, quoi. Parce que oui... Ce que vous savez pas, c'est que vraiment, pendant 2 mois, j'ai fait que bosser non-stop, en fait. Je me suis pas arrêtée une seule seconde. Ouais, c'était que ça, c'était du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Donc, il y a ça aussi, c'est assez fatigant, et c'est aussi un peu déprimant de faire que travailler non-stop, tu vois. Donc bon, évidemment. Au moins, tu m'insultes pas en stream, on dirait une autre personne. Je peux toujours dire ta gueule, en soi. Non mais ouais, clairement, ça fait du bien de faire autre chose que de travailler sur ce mémoire, je suis grave contente de l'avoir remis. Et j'espère en être débarrassée à jamais. Genre vraiment, j'espère vraiment en être débarrassée là. Après ouais, il reste toujours le permis, la fin de l'année et tout ça, donc il y aura toujours du travail, mais
pas de manière aussi acharnée que durant ces 2 mois, donc... D'un côté, c'était nécessaire, parce que j'ai toujours dit, et depuis que j'ai commencé les lives, et Mekki peut en témoigner, parce qu'il est là depuis le tout début, et j'ai toujours dit les études avant, donc... Et je me dois de tenir cette promesse-là, donc les études avant, ça veut dire les études avant, et ça veut dire que bah, quand il y a un mémoire à remettre, tu peux pas streamer, parce que t'es en train de bosser H24 dessus, donc... Et je pouvais pas me dire « Allez, je travaille moins sur mon mémoire pour pouvoir streamer », ça aurait pas été possible. Ça aurait pas été juste, surtout avec ma façon d'être et ma façon de penser, donc... Mais bon, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Il le faut, c'est juste ça, c'est... Il le faut, mais ça me fait grave plaisir de reprendre. Ah, clairement... Quelle joie. Et je vais pouvoir en journée restreamer de temps en temps à Plague Tale Innocence, du coup. Donc oui, ça fait plaisir. Voilà, une petite contente. Et j'espère que j'aurai le permis. J'espère très fort que j'aurai le permis. Comme ça, je pourrais aller en voiture partout. J'espère qu'on me le fera pas rater pour un truc à la con. Sinon, je vais rager très très fort. T'as intérêt à l'avoir, oui. Et c'est pas moi qui ne veux pas l'avoir, hein, ceci dit. C'est les moniteurs, enfin les examinateurs qui veulent pas me le donner. Donc bon, hein. C'est pas un choix de ma propre personne. D'ailleurs, t'es pas sur le live de Gaël ? Oui, l'autre con qui voulait pas... Oui, c'est ça, tu vois, donc... C'est pas un choix de ne pas avoir le permis. Et encore, il y a des gens qui roulent sans permis, tu vois, je pourrais le faire aussi, mais comme... je suis quelqu'un de raisonnable, je ne ferai pas ça. J'essaie déjà de t'en suivre. Tu m'étonnes. Ah mais je suis sûre que je vais l'avoir le permis. Tu es réseau quoi? Je sais plus. J'ai oublié la phrase. Quel enfant. Ah mais ouais, donc j'espère que je vais réussir mon année parce que j'aime énormément streamer et c'est clair que j'aimerais vivre de ça même si... J'ai perdu tous mes abonnés, je crois qu'il y a Mekki qui est toujours abonné. Et mon copain. Je me sens tellement heureux. Tous mes abos. Non mais en vrai, je comprends aussi, j'avais pas demandé aux gens de s'abonner quand je stream plus quoi, c'est logique aussi. Mais c'est vrai que ça fait un peu de peine de voir que pendant les 2 mois, il y a 2-3 personnes qui sont désabonnées. Non, je le suis plus. Oh, ok. Abonnez-vous. Non mais c'est vrai que ça fait quand même un peu de la peine. Faut attendre le 17. C'est gentil, après t'es pas obligé. Hein. Rip de tes abos. De ouf. T'as vu. Non, en vrai c'était même pas les abos, c'était plus voir qu'il y a 2-3 personnes qui ont arrêté de follow la chaîne alors que ça m'a rendu quand même un peu tristounette, tu vois, parce que je me suis dit bon, j'ai pas non plus eu le choix, tu vois, d'arrêter de streamer. Et du coup, ça fait de la peine parce que t'as l'impression que certaines personnes peut-être ne comprennent pas que tu favorises tes études et c'est dommage. Après, c'est clair que si je pouvais vivre des streams, je serais grave contente, hein, mais ça va pas arriver très vite, à mon avis. Vu mon absence de 2 mois et comment ça s'est déroulé, je pense pas que ça va arriver très vite. Après, c'est la vie, c'est comme ça, t'es pas là pendant 2 mois, c'est internet, t'es quand même vite oublié, mais c'est pour ça que je suis contente que vous soyez là. Hein. Parce que je pensais qu'il y aurait personne. Je pensais que j'aurais déjà été oubliée de tous. Et j'aurais dû tout recommencer comme au début. Tu sais, quand tu commences live, t'as souvent personne, voire peut-être juste une personne. Et des fois, c'est quand même un peu triste. Quand t'as personne, tu parles tout seul. Oh, je suis mignon, Spring Bunny.
C'est gentil. Bon, est-ce qu'on va pas reprendre le jeu? Attendez, j'essaie d'enlever la fumée qui embue ma cam. D'ailleurs, si je réussis le permis, j'arrêterai de fumer. C'est ce qui est prévu. Merci, Mickey. Bon. Ah, du coup, je recommence là. Ça y est. Ah bah oui. Non, c'est logique, je recommence là, en fait. Je suis de la merde. Oui, du coup... Je déteste ce truc. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Je cherchais comment je pouvais faire pour... Mais il n'y a aucun rapport entre la fumée et le permis. C'est sûr. Donc, c'est un pacte que j'ai fait avec mon frère. La presse, ok. Ah, l'inventaire appuyé sur Y. Ouais, c'était ça que je cherchais. Non, du coup, je peux en faire deux. Fluide chimique et plomb, je peux en faire un. Bah, alors t'en fais, hein. Mais il veut pas. Il veut pas faire un. Pourquoi il veut pas faire un? Pourquoi? Je comprends pas. C'est tant pis, je n'y vais pas. C'est pour réveiller les gens pour qu'ils voient que le stream a repris. Attends, mais pourquoi ça fonctionne pas? C'est moi qui suis débile? Normalement, j'ai de quoi faire, non? Pourquoi ça fonctionne pas? Car tu as pas de plante. Ah, quand c'est rouge, ça veut dire que j'ai pas, mais il y a écrit 1. Ok, je suis. Regarde en dessous de posséder. Ah! Non, c'est pas la. Attends. Ok, mais comme il y avait écrit 2 poudres noires et 2 ferrets, je pensais que je les avais. Non, c'est. Oui, tu as raison. De toute façon, j'ai pas le choix d'y aller ou pas. Donc, on ne tire pas sur les gens. Juste parce qu'ils sont en train de dormir. C'est un conseil que je peux me donner à moi-même. Et que je vais suivre, bien évidemment. Et mais il te manque un doigt. Il m'en manque deux même, je pense. Ce qui veut dire que la potion magique ne soigne pas tout. Bon, du coup, je dois suivre les traces de sang et je crois que je dois avancer doucement. J'ai eu un 4-2. C'est quoi un 4-2? Je fais des études d'art, hein, donc. Fait plus de bruit, bien évidemment. Ah, maintenant je peux faire. Je vais direct le faire. Ah, et là ça fonctionne. Coefficient x4. Mais ça veut dire quoi exactement? Non, tu peux courir. Ici, il y a un truc. Mais il y a beaucoup trop de trucs. Ouais.
note 4 et le coef 16, il plus... Plus le cœur gros, plus il change de note. Mais pourquoi suivre les traces de sang, ça ne t'apporte rien de bon puits. Pourquoi c'est jamais des papillons? Je peux t'appeler Ron maintenant, à partir de maintenant. Ok, je dois courir, j'ai compris. Il y en a de plus en plus. Mais je l'avais pas vu. Je crois qu'il y avait des trucs dans la maison. Et vas-y! Merci. Munitions. Des plantes. Ok. Tu vas niquer ta mère. Oh, oh. Eh, ça va, j'ai pas trop mal joué, là. Mais d'où t'es pas mort? Oh. On va ramasser leurs cadavres. Du coup, ma moyenne a pris cher. Ah. J'espère pour toi que ça va aller mieux. Explosion! Oui! Même quand ça explose. Ok. Oh, il y a une boîte. Mais du coup, j'ai plus de munitions. Comment je change d'arme? Comment je change d'arme? Il pourrait l'expliquer ça au début. Comment est-ce qu'on change d'arme? C'est qui respire comme un gros porc? Prévu ça? On va attendre qu'ils reviennent. Je veux pas passer en mode photo qui va. Ah, peut-être très Game of Thrones. Hein. Mais là, je vais mourir du coup. Thank you.
c'est le moment où tu te casses en courant. Oui, t'as une flèche dans la jambe, peut-être pas en courant. C'est un petit côté Game of Thrones, hein, quand même. Il te manque toujours des doigts. Bah écoute, c'est mieux ça plutôt qu'il me tue, hein. Ah d'un coup, il a un bandage, c'était... Ok. Attendez. Je suis pas allée là-dedans. Hello madame. Comment allez-vous? Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. Je préfère mourir maintenant. C'est quoi ça? Hey, vous m'entendez? Oui, c'est assis en souffrance. Ah, je sais pas. C'est je préfère ne pas mourir. Le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose! Rose! Oui! Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez! Où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ta mère, ça y est, t'es enfermée ils dehors. Reviennent. C'est pas Dark sur les fesses. Rose est ici. Ah merde, il y avait un objet là. Non mais madame, il y avait un objet là. Madame, ouvrez-moi la porte. Eh, toc toc toc, madame. Je vous déteste. Il y avait un objet. Pour le coup, on dirait un bon scénario de Castlevania. Bah après, comme je dis, j'ai pas fait le 7, mais c'était... Ce que j'ai compris, c'est que c'est en rapport avec l'histoire du 7. Des gens qui aiment beaucoup les fleurs. Et les bougies. Où ça? Oh, lycan! Loup démoniaque légendaire! Venez nous dévorer. Venez manger notre chair. Oui, on est sur un haïku pas ouf, hein, quand même. Yeah. Madame aurait pu faire... Madame ou monsieur, excusez-moi. Mais il aurait pu y avoir un effort de sa part. J'ai entendu un chat. Est-ce qu'il y a un chat? Je vais avoir mon chien qui va surgir chez moi en mode quoi? Abandonne ton bébé et fuis. Dans tous les cas, faire grandir un enfant dans le genre de monde, c'est pas possible tout. Mais tellement. Il y a des mois. Des mois? Je ne comprends pas toujours ce que tu dis, oui. Oh! Jeanne d'Arc! Au secours! Pardon. Est-ce qu'il faudrait que j'arrête de citer la famille Le Pen? Oui, tout à fait. Mais c'est plus fort que moi. Et j'ai toujours pas l'objet? Ouais, c'est dans Y. J'ai des crânes cristallisés. Attends, je suis pas revenue un peu. Non, je suis jamais passée par là. Oh, un tracteur. J'ai toujours voulu conduire un tracteur. Oh, une porte. Une porte fermée. Après tout ça, les clés crochées trouvent depuis. Ok. Il y a des bougies, t'as dit, mais non. Alors, oui, j'ai dit, il y a des bougies. En effet. Ok, donc de toute façon, on va devoir repasser par ici, quoi. Je me sens pas très à l'aise de me balader dans un cimetière comme ça. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit
subira la colère de Mère Miranda. Je vois pas de chèvre. Du coup. Il y a un objet là-bas. C'est pas très respectueux de défoncer les portes des caveaux, mais... S'ils ont laissé des objets aussi, go tuer les chèvres de ouf. Ah! Ok, donc ça c'est des trucs qu'on va... J'imagine on va que ça mène au château. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'il écrit château Dimitrescu en grand là au-dessus ou... Quelle idée. Forteresse, cimetière et Syrie. Syrie, le lieu où on scie des... Je ferme ma gueule. C'était rapide. Et le canon quand même. Hein. Là, on a toujours notre Jésus chelou au long nez. Merci Louis. Alors, si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Qui se trouve ailleurs. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'autre à check. Hein. Ah, mais demain que j'étais rentrée par une autre porte. Peut-être qu'il y a des trucs à check devant. Un autre puits. Attention, spoiler, j'aurais peut-être pas assez de points de chaîne. Sans blague. Avec tout ce que t'as utilisé là. Merci. Merci Spring. Bon bah je pense que c'est tout qu'on a regardé partout, en tout cas au niveau de l'église. Il y a beaucoup de puits. Ah ouais, du coup... Quelque chose me dit que ça va pas se passer comme prévu et que ça va pas être un long chemin calme. C'est des portes charmantes quand même. Des portes... Putain. Des portes avec des fœtus d'enfants. Et du coup, je dois trouver la clé. Oui, j'ai vu le fœtus entouré de ciselles. Merci bien. Bon, je vais déjà mettre l'autre là. Ah non, ça c'est celui-là. Ça c'est parfait. Eh. Donc, ah, c'est parce que j'ai pas fini l'église apparemment. Mm-hmm. Un truc de la Vierge sur la porte. Yeah. Mais apparemment, j'ai quand même oublié un truc dans l'église. Mm-hmm. Mais qu'est-ce? Vous me dites si vous voyez un truc. Ou alors c'est pour le puits qui dit ça? Il y a moyen, hein? Mm-hmm. On est fermé. On est fermé. Il faut une clé. Il faut une clé. Là, c'est un cadenas. Regarder un plafond, tout ça, pour un truc briller. Ah! Merci Vicky. Ah oui, oh putain. Je dois faire quoi? Je dois tirer dessus? Alors, c'est quoi? Yeah! Ah! Je
m'attendais un petit peu mieux qu'un fragment de cristal. Ok. Et que puis-je faire avec un fragment de cristal? T'inquiète, hein, je vais trouver. Je crois. L'espoir fait vivre. Je suis vraiment la meuf la moins douée hein, à ce niveau-là. Et là, il n'y a aucun moyen de rentrer? Ça m'intrigue. Non? Non. Allez, là, il manque un truc, mais qu'il faut projeter. Ok. J'adore la musique pop. Est-ce que tu dis ça pour ça ou... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des chemins, là. Oh. Moi, je suis plus indie, ceci dit, en termes de musique. Ok. Ah. Je sais en plus qu'il y a un truc qui va me sauter à la gueule. Attendez. Bon, là, j'ai check. Ah. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc, mais j'ai aucune idée de comment l'atteindre. Il y a peut-être une fenêtre ou quoi? Boogie, tu t'ennuies beaucoup quand même. Lady Gaga et Britney Spears. Britney Spears... Ah! Attendez. Puis son sommeil n'être que de courte durée. Personne ne dit ça en enterrement. Ah, okay. Non, c'était juste des plantes. Comme quoi, marcher sur des tombes, des fois, ça peut s'avérer utile. Ne faites pas ça dans la vie, je crois vraiment. Oui, il faut checker toutes les tombes. Quel joie. J'ai cru que t'as oublié qui est Britney. Non, mais c'est... Je sais que je suis pas très pop, hein, mais... Quand même, c'est Britney Spears. Je peux pas oublier qui c'est. Attendez, je fais quand même... Et ça, je peux pas le bouger. Et ça, je peux pas tirer dessus. Oh ! Putain, je suis un de ces boss. Attends, j'ai chopé quoi, du coup ? Rien. Yeah ! Je peux pas utiliser ma photo de famille. Quelle déception. On va trouver. Je peux pas monter, mais je... en plus il sait pas sauter ce débile. Est-ce qu'il y a un autre truc au plafond? On dirait pas. Par contre il y a peut-être une autre cage d'oiseau ou un truc comme ça que j'aurais pas vu. Ça, c'est encore fort probable. Non, j'ai juste une photo de famille. Putain. Oh. Bon. Je t'ai dit, mais Kira, que j'allais y arriver. Je suis pas encore allée par là. Et bah finalement c'est bon. J'ai trouvé. Toute seule, comme une grande. Vous avez vu? J'aime bien cette idée de mine. Ça me fait plaisir. Amy de Brinet, mais elle vous me dit pas. Non, je vais mettre d'avis. J'ai quand même encore un peu de dignité. Arre. Apparemment, les épouvantails, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur les zombies. Ça marche uniquement sur les oiseaux.
concentrée. Je suis obligée d'aller de l'autre côté, là où il y a les bébêtes. Et c'est comme ça que j'appelle les zombies, d'accord? Je les appelle les bébêtes. Est-ce que j'ai encore des munitions de ça? Non. C'est la tête, je me suis améliorée. Ah, c'est des lay. On est en Roumanie, les gars. Vous voyez, le gars, il a des lay. C'est qu'on est en Roumanie. Je vous dis ça parce que je suis roumaine. Hein, donc, Là, il y a une maison. Là, je vais aller voir la maison. Qu'il a envie d'être mon pote. Je peux pas prendre sa machine quand même. Non, on va encore avoir ce cliché que les Roumains c'est des vampires. T'avais pas reconnu les autochtones. Ça c'est vraiment une phrase de flic. Hein. Vraiment, je peux pas aller dans la maison. Putain, j'ai raté. Non, il court vite. Merde. Et votre chair, elle est putréfiée. C'est pas logique que vous sachiez courir. Ça n'a pas de sens. Ok, au nom de la science, je vous arrête. Ou pas. Ouais, peut-être pas, peut-être pas. Je vous arrête pas, je vous arrête pas. Pardon. Je retiens de faire de blagues. Des combats typiques. Ouais, ouais. Fermez la porte. Ah, vite. Bah c'est le vision. Ah, pardon. Hey, vous faites quoi ici? Elle survit. N'approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Sois armée, c'est peut-être que je vais tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. Sympa. Là, je vais vous tuer, vous piquer tout ce que vous avez. Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Oui, tu fermes ta gueule un peu. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Non. N'ayez pas confiance en moi, je suis un incompétent. Je vais juste vous voler tout ce que vous avez, et je vais me casser. Oh, et en plus ils sont bruyants. Vraiment inutiles ces gens. Pas de déception. Et vous avez de la chance, il y avait des munitions dans votre jardin. Oui. Oh. J'ai une arme pointée sur vous, vous pouvez me faire confiance. Suivez-moi. Oh. Bah oui. Ah, oh, vous êtes chiant. On peut remonter sur les toilettes. Je vais trouver. Il faut juste un temps de réflexion. Un long temps de réflexion. Bon, mais je peux même pas ouvrir par là. Venez,
C'est ouvert. C'est pas du tout ouvert. Vite. Ça va, ils sont pas obèses. Hein. Ouais, c'est ça, de rien. On va lui tirer une balle dans la tête. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. C'est pas une excuse. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé, hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre. J'ai aucune pitié pour lui. Ouais, bah t'as un tournevis sur toi, non? Bah, j'ai... Il faut que tu t'accroches, papa. Oh là là. Et je peux plus sauter là-dessus. Je peux juste aller aux chiottes. Ah. Baby, les fenêtres. Eh oh! Ah bah, il fallait juste toquer à la porte, en fait. Tire sur le père. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Laisse tout est. Papa! Je t'en supplie, Liliane, laisse-nous entrer! Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger! Mon père a besoin d'aide! C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Parce que c'était dans la maison d'à côté. Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Bon, au moins une madame qui est normale. Par ici. Vous n'êtes pas de ce village. Au mec qui est le moment qui doit d'ouvrir une grosse porte. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Allez, écoute la dame, toi. Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. C'était rapide. Restez ici, je vais voir les autres. J'ai mis oui, mais je sais même pas ce que je fais. Ah oui. Luisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? Qui est Mère Miranda? Oh, un album photo. C'est bien, je peux tourner les pages, mais pas les voir. Suivez-moi. Je regarde l'album photo. Tu me laisses regarder l'album photo? Je te suivrai quand j'aurai fini de regarder l'album photo. Oh, c'est joli. Mais j'ai fini l'album photo. Maintenant, je peux opter pour... Je peux opter de vous suivre. Maintenant, je ne sais plus où elle est. Hello, madame. Venez, les autres nous attendent. Mais c'est qui, lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. Anton, c'est le voix de Jack Black. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Bah, asseyez-vous. Quel petit enfoiré, ce monsieur. Vous êtes les seuls survivants de tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et un vous ivrogne. Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Et toi en premier. Comme son putain de mari. Mais la enveilleuse, Roxana... Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons.
Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres. Attendez, Louisa. Où est votre mari? Il est mort. Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. Ailleurs. C'est ça. Ça a l'air d'être un gros mytho, ça. Prions. Oui. C'est un gros mytho, ça. Pour lui. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, c'est bonne ça. Idée. Quelque part. Venez. Chercher de l'aide. Approchez. Bien sûr. Tout le monde y croit, mon gars. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous venons en vous, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Le sorcier en notre flingue maintenant? Oh non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Sors ton flingue! Sors ton putain de flingue! Réagir avant qu'il tue tout le monde. Je te demande pardon, papa. Il est devenu méchant. Non, il est mort, c'est bon. Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Il avait pas d'œil. Il va trop. Elena, Elena, non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Mais on peut pas prendre son fusil quand même. Il avait l'air d'avoir des munitions, c'est cool quand même. Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule. Non, non, on va sortir d'ici non, tous les deux. Je veux quand même pécho. C'est peut-être la fin du monde, mais... Désolée, je suis une connasse. Faut que je sorte d'ici. Je me mets dans le personnage, d'accord? Tout va bien. J'aime bien les tiroirs où il y a absolument rien dedans. Quelle joie. Écoute, nous on va chercher un truc pendant qu'elle elle est là, elle est sur le côté. Est-ce que ça se résume pas un peu à ça les personnages féminins dans les jeux vidéo quand même? Quelle déception. Bon, apparemment Lady Dimitrescu. Elle a l'air d'être un peu plus badass que les autres personnages féminins. J'espère. C'est quand même des gros amateurs de vin. J'aurais pu faire de l'alcool dans les jeux vidéo aussi, comme travail. Yeah, qu'est-ce que c'est? Ah, des leis. Avec 500 leis, c'est vraiment pas grand-chose. Si tu as celui qui est dans le porte-clés? Genre, à l'intérieur du porte-clés? Oh, stylé! Ils ont des tournevis dans le porte-clés. Je trouve ça grave cool. Bon. J'ai assez analysé.
Là, je peux pas en fait, je dois trouver des indices. Ça, c'est pas un indice. Voilà. Ah, oui, voilà. J'ai mis du temps. Tu peux pas voler des trucs, genre tant qu'on y est. Genre, ils ont full bouffe et tout. Ils ont des cartouches de fusil. Oh! Le fusil à pompe, c'est mon arme préférée. C'est rapide et efficace. Y'a rien d'autre. On peut pas boire un peu de soupe avant d'y aller. Genre, notre personnage, il a rien mangé depuis un petit moment. Ça lui ferait peut-être du bien, un petit goûter comme ça. Mais on a compris, il y a de la fumée. Merde! Ah, le feu gagne du terrain! C'est le concept du feu. Je vais utiliser où encore le tournevis? J'ai une mémoire de merde. Attends, je dois démarrer le pick-up. Alors moi j'ai passé le permis en automatique, donc... Vous allez faire quoi? Reculez! Je vais tenter quelque chose. Petite marche arrière, petite manœuvre. Là, j'ai pas compris ce qu'il vient de faire. Je crois qu'il allait sur la troisième. Non, il était en marche arrière. Marche arrière. C'est une idée de merde ce qu'il est en train de faire. Vraiment pas une idée hyper intelligente. Est-ce que ça va? Ouais, ouais, ça va. Laissez-moi essayer. Ça brûle. Tu peux on essayer. On a plus le temps. Ah oui, évidemment, t'as utilisé une voiture qui brûle à... On a pas le choix, il faut monter. Allez. Venez, vite. Elle va monter tranquille. Essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. Arrêtez de parler, alors. Non. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi. Vous ferez venir. Une fois dehors. Il ne faut pas respirer la fumée. Pourquoi il a fait c'est ça bon. Je sais pas, parce c'est qu'il bon, est stupide. Là. On va sortir par là. Dieu merci. Mais ne l'écoute pas. Mais après... Le village est infesté de monstres. Réfléchis on par peut toi-même. Pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non, non. Tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Après, on va fouiller une vie. Là-bas, une vous vie, ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et on je veux pas rester seule pendant que vous... Elle va vivre. Papa. Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena. Il me reconnaît. Papa. C'est trop dangereux. Ah, elle va mourir vite. Au revoir, Elena. Bougez pas. Non. Tenez, attrapez ma main. Non. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Notre fille avec Elena. Ah, là, ça va être compliqué, du coup. Au revoir, Elena. Tu as été fortement pourquoi inutile. Tout le monde... Bah, parce qu'il y avait un incendie et des zombies et des vampires. Voilà pourquoi tout le monde meurt. Et il y a des questions. Où la réponse est relativement simple, hein. Je comprends pas. Bah, elle est tombée parce que le truc était incendié. Ici, tu comprends pas. Bon, par contre, il va falloir y aller, hein. Non, mais tu vas pas regarder le bâtiment brûler pendant longtemps, hein. C'est un cauchemar. Un peu. Mais pourquoi ça commence? Mais t'as pas avec le côté qui te manque de doigts. Quel génie. Oh là là. Tout le monde meurt parce que c'est la vie. Oui, aussi. C'est une réponse aussi. Mais
pourquoi tout le monde meurt. Aucune idée. On peut toujours aller aux toilettes et se cacher là. Et attendre que tout le monde meure du coup. Ah mais oui, c'était pour ça le tournevis. Je sens qu'il va y avoir des zombies sur mon chemin. J'avais dit. Ça pue la merde. Il a... Arrêtez. Merde, Miranda. Mère Miranda est une salope. Bah, Mère Miranda, il a dit. Mère Miranda. Bon, alors, non, c'est un vampire, c'est moi qui ai mal capté. Bon, maintenant, on peut toujours pas leur voler des trucs. Il va être pauvre. J'ai pas checké le tracteur. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout check. Allez, on va pouvoir aller ouvrir la porte. Yay! Oh, madame. Mort. Oui. La mort leur a tous rendu visite. Oui, on a remarqué. Comment il est toujours en vie, son perso? Je sais pas. Vous voulez qu'on vous aide à faire des dessins? C'est un œuf. Là, vous dessinez rien, je crois que vous avez pas assez de force, madame. C'est bien, vous essayez, hein. L'art thérapie, c'est une bonne technique pour éviter de finir sénile. Hein. En plus, ça fait des clochettes. Ah, il y a des clochettes. Est-ce que vous avez un chien, madame? Il apprécierait fortement vos clochettes. Allez! Bam, 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 bam. Ah, ça lui va bien comme ça. Comment ça, je suis un peu con, je vois pas pourquoi vous dites. Tout petit peu. Non mais je veux que ce soit parfait. Comme ça c'est parfait. Tu peux tuer cette dame, elle fait peur. Mais non, c'est juste une vieille dame sénile. Il faut être compréhensif avec les personnes âgées. Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Regarde, il vient starber aussi, lui. Mais lui, il est pas âgé. Il a pas... Oui, peut-être moi aussi, je viens un petit peu starber. Moyen. Il y a une corde jaune qui va jusque là. J'ai envie de suivre la corde jaune. Ah bah, en fait, elle va nulle part. Petit bain d'eau glacée. Ça rafraîchit toujours. Hein. Ça fait du bien. Pam, 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 pam. Le château. Faites pitié pour les dames qui ont des crânes sur un bâton. Mais elle est sénile. C'est pas forcément des crânes humains. Comment ça, j'essaie de lui trouver des excuses. Ah, des pommes. Des... Je sais pas exactement c'est quoi. Des figues. On dirait des filles, hein. Tiens, tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Monsieur Van Helsing. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es des pas du ciment. Dans du ciment. Encore mieux. Oui, des prunes dans du ciment. Ah! Mère Miranda va t'adorer. Ah, vous voyez, je suis mort là. Monsieur qui contrôle le métal. Okay. Why not? Arrête de geindre, on y est presque. Il avait l'air stylé en plus.
Lavez leur corps. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles vous-mêmes nous chargeront d'apporter son sang à votre père. Il a fait bien découper, celle-là me dégoûte. En gros, fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais. Mère Miranda, c'est la méchante. Merci, mère. Lico et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Nous voyons ce que tu as donné. Famille Adams. Ouais, on va un peu plus chelou. T'es prêt? Non! Non! Ces barges qui ont rose. Bah apparemment. Mais t'inquiète, Rose, elle va pas s'en souvenir. Par contre, toi, c'est une autre question. J'ai encore mes armes. Non, non, c'est Y. Ok, ils sont dit qu'ils allaient me laisser mes armes. Bah écoute. Ça a l'air d'être des personnes très sympathiques. Hein.
Ils aiment bien les pics et le métal. Le métal, pas la musique, quoique. Ça va, pour le moment, j'ai pas encore trop flippé ou quoi. Il n'y a pas eu de moment vraiment creepy. Mais en même temps, on a quoi ? On est à 2 heures de jeu, donc ouais, on est à peine au début. Ah ! On refait la même erreur ? Allez. Pas mal. C'est trop calme, de ouf. Genre, il va pas me faire croire qu'il croit que je suis mort. T'as raison, c'est beaucoup trop calme. Il n'y a plus de monstres. Il n'y a pas de trucs à voiler sur l'eau. Ben non, c'est beaucoup trop calme. Par contre, il est beau. Franchement, il est beau. Et j'espère que ça reste fluide chez vous. Vous savez, je vous attendais, Monsieur Winters. Je crois que vous avez un léger problème de surpoids, monsieur. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Desperso. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Outre votre je ne suis surpoids. Qu'un humble marchand. Ici. Moi, il rentre dans son truc. Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Oui, je t'aime bien. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai quelque chose de spécial aujourd'hui. La bourse ? Non, je comprends pas. Ah, tu peux... Ok. Donc les diamants, les fragments de cristal ou les crânes, tu peux les échanger contre de la thune. L'atelier vous permet d'améliorer vos armes. Ah, c'est cher! Attends, j'ai 2000 legs. Mmh. 10 000. Oh, c'est cher, sa mère. 3 000. Mais à quel point je suis pauvre? Ah, c'est pas les mêmes. Permet d'apprendre à fabriquer. D'accord. Oh, mais attends, c'est hyper intéressant. C'est vachement plus intéressant de savoir fabriquer des cartouches de fusil. Du coup, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, que le mieux est de ne rien acheter pour... C'est quoi ce gun à 200? Je sais pas. Le Samurai Age. Un pistolet d'une technologie anti-arme biologique. T'as la grosse version pour ça. Donc ouais, à mon avis, le mieux c'est d'acheter pas tout de suite, d'acheter plus tard. Je pense. Parce que de pouvoir créer tes propres cartouches de fusil et tout, c'est hyper intéressant. Un crochet. Ah, c'était 0 euros en fait. Tu savais pas vendre des trucs pour avoir plus de thunes. Ah si, 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 si. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Attends, juste, mais qui les crânes et tout ça, ça sert à rien d'autre, non? Ça sert vraiment uniquement pour les vendre en fait. Dis-moi, hein, si ça sert à quelque chose ou pas. Les crânes, tu peux... Yeah. Très bien, j'achète. Ok, bah c'est tout. Et maintenant, obtenir de la j'ai 7000, donc je peux acheter ça. Ah, ça oui, mon ami. Et je sais pas ce que vous pensez qui pourrait être intéressant. Ah, il y a des trucs que je peux acheter gratuitement. Merci vous avez pour vu cet achat.
Genre ça c'est zéro. Ouais. Il est trop mignon. Ah. Bon, on me dit que je peux acheter des trucs gratos. Je les achète gratos, hein. Car moi, j'avais pas tout ça. Ah, mais on a acheté la version DLC. Enfin, on a acheté la version la plus chère. Enfin, monsieur a acheté la version la plus chère. Est-ce que vous pensez que j'améliore mes armes quand même un petit peu? De toute façon, je crois pas que j'ai assez de thunes. Prends le gun. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il est pas cher. Vous n'avez pas assez de place dans votre inventaire. Ah. Ah mais le couteau il est usé. Je fais quoi? Donc il est usé. Je l'enlève pour le gun? Tu crois? Ouais j'ai beaucoup de soins hein, mais... Vous avez vu ma capacité de jeu, c'est logique. Le couteau, tu le gardes, ok. Bah j'enlève quoi alors? J'ai beaucoup de munitions. C'est pas comme R2. Ah, ok. Bah... Ne faites pas attention à moi. Ou alors je l'achète plus tard, tu vois. En soi, non? Mais j'améliore pas le flingue, du coup. Par contre, je peux peut-être améliorer... Non, ça coûte beaucoup trop cher. Bon, tu sais quoi, on va continuer. Revenez quand vous voulez. Enfin, il va re-rentrer dans sa boîte. Il te faut 10K pour la grosse valise. Ah. 10K. Et dans la grosse valise, il y a quoi? Je sais pas, pour moi c'est bon. Je crois qu'on est bon, on a des remèdes, on a tout ce qu'il faut. Plus de place, ouais. Ah, plus de place. Mais c'est bien qu'il y avait des munitions gratuites et tout, c'est cool. J'apprécie. Donc, elle qui nous voulait, on décide de rentrer dans son château. Quelle joie, c'est une très mauvaise idée. Ah, la meilleure idée que j'ai eue, ça, par contre. Ah, ça fonctionne comme ça. Ah, putain, mais je suis con. Peut-être que je peux quand même y retourner en rechargeant mes trucs, en fait. Ça me laisse peut-être de la place. Pas tout le monde a les munitions gratuites. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Alors... 5 janvier, Rennik, livraison d'un homme et de 3 femmes. 28 janvier, Mère Miranda, entretien avec Madame Dimitrescu. 1er février, le duc, discussion d'affaires. Discussion d'affaires. Moi, je pense que si je suis arrivée là, ce n'est pas par hasard. Oh, j'aime bien les tableaux type Renaissance. J'hésite entre la Renaissance ou du Rococo, ça. Ah! Comment est-ce que j'ouvre ça? Venez. Quelque chose me dit que si on a survécu, c'est pas par hasard. La thune. Okay. Coup de couteau dedans. Oh! J'ai pas tenté. Attends. En fait, c'est logique. J'avais pas vu qu'il y avait cette porte. Je peux foutre des coups de couteau partout en fait. Ah, ah bah non. Quelle déception. Non, putain, là ça commence à devenir vraiment jeu d'horreur. Courage Audrey. Il y a que dalle. Casse tout! Oui, bon, j'ai dégommé votre maison. Techniquement, vous avez de quoi être énervé.
Mais... j'ai des raisons de le faire. C'est le moment où t'es censé te casser en courant, en fait. Oh, c'est joli! Des bougies. J'aime bien. Restituer le visage des quatre anges. Laisse-moi finir de lire. Casse-toi. Tu cherches Rose? Moins joli que sur les photos. Enfin, sur... ça va aller. Le sang d'un homme. Tu vas te souvenir de l'erreur de... Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. C'était quand même plus joli. Viens, je t'en tiens. Saint-Laurent et Time Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Ah, là, il me reste plus beaucoup de membres, hein, donc pas grand chose de spécial. Cette scène est très gênante. Je vous dis en second qu'elle était max, tu vas voir comment il est bien. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Non, c'est nul, je suis gros. Accroche-toi, Léo. Et quel manque de respect. Attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Ok. En même temps, t'es allé dans ce château tout seul, hein, mon gars. Ta faute, hein. Ah. Qu'est-ce que le jeu attend de moi, là? Exactement. Non, parce que... ah. Mais comment il est encore vivant, je sais pas, hein, c'est pas normal. Non, là c'est vraiment pas normal, à ce moment-là tu peux plus être vivant. Tu peux plus te servir d'un flingue. Dieu, what the fuck, pardon. Ah oui, non, là il est... je crois que c'est des flacons de drogue, tu vois, ce qu'il est en train de se mettre. C'est pas possible autrement. Oui. Est-ce que c'est le moment de prendre un verre? Je ne sais pas. Le remède soigne tout. Je me demande avec quelle plante ils font ce foutu remède, hein, parce que... à ce stade-là, le truc, il guérit le cancer, quoi. Le gars, il a perdu full sang. Mais justement, il se fait que je viens d'acheter un crochet, donc... il est où mon crochet que j'ai acheté? J'ai acheté un crochet. Mais j'ai acheté un crochet! Pourquoi? Il est où mon crochet? J'ai acheté un crochet. Pourquoi j'ai plus de crochet? Je suis pas contente.
Il est où mon crochet? Mais d'accord, je lui ai acheté un crochet. Je me souviens d'avoir acheté un crochet. Ça fait exprès. Je crois que tu l'as revendu, mais non. Oh, peut-être qu'on n'est pas censé l'ouvrir maintenant. Attends, d'abord je fouille, après on vérifie. Bon, bah j'ai fini de fouiller apparemment. Parce que du coup, on va revenir. Ah! Un truc. Jeune fille de la récolte. Ok. Bon, bah. Mais y a pas trop le choix. Hein. Ah, ok. C'est pas le truc que j'avais vu un début de la démo. Ouais, il va encore falloir trouver des... Ouais, je crois que c'était dans la démo, je crois. Si tu vas être dans la démo là. Bah c'est bien, je l'ai pas faite parce que je voulais pas être spoil. Pas comme quand on a fait Little Nightmare où à la fin, tout le début du jeu, on savait direct quoi faire, quoi. Donc de toute façon, j'étais en train de travailler sur mon mémoire, donc j'aurais plus le temps. Non, mais ta fille ne ressemble pas du tout à ça, madame. À un moment, il faut ouvrir les yeux. C'est bien de rêver, mais... J'ai l'impression que je dois pas aller par là. Ah. Bah, je me suis complètement bourré en fait. Non, laissez-moi ressortir. C'est bon, j'ai rien fait. J'ai paniqué. Et ça, je peux casser ? Je m'en fous! Je casse tout! Vous m'avez coupé un morceau de main, donc techniquement, je fais ce que je veux. Et du coup, je suppose que les morceaux de diamants, ils doivent toujours les cacher un peu de manière... Et genre, à des endroits où on s'y attend pas, parce que pour qu'ils valent aussi cher. Est-ce que je tape partout juste pour trouver de la thune? Oui. Ah! Genre, j'ai vu un truc qui brille. Là. Tu vois? Ah bah oui, il faut partir. Et bah voilà, c'est exactement ce que je disais. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Dans ton cul. On peut pas ressortir? Donc, oui, il faut... Oui, les visages de l'ange. J'aime bien comment il casse tout avec son petit couteau de ouf. Moi, je trouve ça dingue qu'il arrive encore à tenir un couteau. Ça, je peux pas casser? Si! Ah bam! Non, peut-être pas la table. J'ai eu un peu trop d'espoir en mes capacités. Attends, là je suis pas allée, non? Il commence à y avoir beaucoup de possibilités, non? Quand il y a trop de possibilités, ça m'inquiète. Oui, c'est du sang, vous avez dit. Ouh, pardon. Et attends, il s'est cassé des vases, mais pas une théière. Putain, Mickey! J'enlève ça quand je fais des jeux comme ça. Attends, mais il y a beaucoup trop d'options de... Il y a beaucoup trop de choix. Ne me laissez pas du choix. Genre vraiment... Ah, indiquez-moi une direction à suivre. Ah, ok, ça c'est bon. Mais je peux quand même monter au-dessus de l'escalier. Là, j'ai déverrouillé la porte. Donc c'est bien. Bon, on va monter. Oh. Ok, je teste des trucs. Il commence à y avoir... Attendez, d'abord, vous pensez que je vais d'abord dans la porte ou je vais à Serpentard, là?
Non, parce que là, on a deux choix, du coup. Soit on continue par ici, soit on va dans la porte qui a au rez-de-chaussée, quoi. Vous en pensez quoi? Surtout qu'il reste que 13 minutes de live, là, à peu près. Attends, il est quelle heure? Oui, t'inquiète. Ok. On va fouiller, hein. Il y a la porte qui a fait boum boum. Oh, je vais pouvoir prendre. Oh, coucou Ichiko. Comment ça va? Oh, c'est gentil Yael, merci beaucoup. Et du coup, je dois reprendre ma voix de d'historienne. L'histoire viticole du château Dimitrescu, remonte au XB au 15e siècle. Bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu va combiner les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Ça donne envie de boire un verre de vin. Attends. Une bouteille spéciale ornée de fleurs. Ok, donc là je dois trouver une bouteille que je n'ai pas. Et quelque chose me dit qu'elle ne se trouve pas ici. Oui, ça serait beaucoup trop facile, hein. Okay, continuons à fouiller. Tom, 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 tom. Je sens que ça va être comme dans Resident Evil 2. Oui, il va falloir déverrouiller. Comment tu te sors? Bah bien, je crois, pour le moment. Ça va. Bah ça reste très classique, hein. Enfin, sauf le fait que le gars il survit toujours alors qu'il lui manque des morceaux de bras. Mais soit. Oh, mais ça reste très classique. Pour le moment, j'ai pas encore eu trop de sursauts, donc bon. Après, j'ai aussi peut-être un peu pris l'habitude des jeux d'horreur. Ah, ça, c'est une photo très abstraite. Bah si, c'est clairement ça qu'il lui faut. Ah, attendez, je suis con. C'est plus simple comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. Putain. Yugumi Kira qui arrive à me faire sursauter en fait. Le jeu, ça va. Le jeu, ça le fait. Mais c'est parce qu'il le fait pas tout le temps, il le fait qu'au meilleur moment. Eh, hey, tu m'avais dit que je pouvais fouiller là, tranquille. Non. Merci. Ça fait longtemps que j'ai pas dit c'est qu'il y a un homme. Laisse-moi te faire. Non, laisse-moi te faire. Regardez, capturer mort ou vie. Mais il y avait l'autre porte que j'ai pas pu vérifier. Je veux d'abord vérifier l'autre porte. Laisse-moi d'abord fouiller l'autre porte. Voilà. Parce que je me suis rappelé que je n'avais pas vérifié ici. Je sens que je vais être déçue. Putain, je suis déçue. Mais si. Ouais. Mais ça, j'ai pas encore fouillé. Pourtant, c'est ouvert. Attends, comment ça se fait? En plus, tu me l'avais dit, hein. Ça balance un coup tout le temps, mais... Tu me l'avais dit plein de fois, hein, mais... Ah oui, si. Ah non, j'ai pas regardé ça. C'est l'ascenseur. Ah mm-hmm.
Oui, bon, ok. Vous êtes un peu paniqué. Un petit peu. Bon. Oh, d'accord, je remonte. Regarde en haut du mur. En haut du mur. Tu veux dire là où j'étais ? Là ? Né ? Mais c'était ici, non ? Tu m'as dit regarde en haut du mur. Mais non, ça c'est le plafond, c'est pas le haut du mur, tu vas me dire. Là où il y a l'ascenseur. Oui. Oh, merci. Plus de thunes. Yeah. Putain, mais ils sont vraiment mis à des endroits vraiment chelous. Merci, Becky. On s'est vraiment placé à un endroit chelou, par contre. Oh là là. Maintenant, c'est bleu. Bon, peut-être que je suis partie trop tard, alors. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais vérifier juste un truc. Yup, yup, yup. Bon, du coup, là, j'avais vérifié partout. Puis, je me suis fait attaquer par madame. Du coup, le seul truc qui me reste à faire, c'est d'aller par là. Allez, petite visite. La case... Ah ! Ah oui, bah du coup, je vois pas. Oh ! Joue encore avec moi. Bah regarde, il y a une chambre, si tu veux, on fait crac crac boum boum, mais... Ça me dérange pas tant que ça. C'est quand même incroyable qu'il soit vivant. Comme l'a dit Audrey. Ah. Alors, 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'étais très étonnée de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange. Oui. Tu vois, genre, heureusement que j'ai pas fait la démo. Parce que si j'avais fait la démo, bah tout ça, j'aurais été spoilée. Ah, il y a une autre page, bref. 23 juin 1958. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et... J'ai un petit peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. En effet. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors, j'ai ouvert la fenêtre. « Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement !» ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmenée au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Attends, je vais quand même checker s'il n'y a pas des trucs. J'ai besoin de thunas. J'ai besoin de thunas. Donnez-moi de la thunas. Oui. C'est chouette la musique. Surtout quand il n'y a pas de radio. Je vais attendre qu'elle se casse. Mais est-ce que c'est elle qui est très grande ou c'est les portes qui sont très petites ?
Je me pose la question. Elle veut pas remettre la musique ? Ah, là il y avait un truc. Excusez-moi, j'ai oublié. Des munitions ! Putain, mais là j'en ai full hein, des munitions. Je suis paré à toute attaque. Et je vois. Ouais, je vais checker tout le temps en amont. De mettre non seulement la dame. Oh, ça va. Elle est pas si grande que ça. Ça le fait. Putain, mais ouais, non, là j'ai vraiment assez de munitions pour. Ouais, non. On est bon. On peut dire qu'on est bon. Je suis déjà allée par là. Ah oui, je viens de là. Yeah. Est-ce que c'est rouge uniquement genre j'ai oublié un truc ou c'est parce que la porte est verrouillée du coup. Je crois que j'ai dû oublier un truc. Du coup je vais taper dans tout hein. Juste que ça fonctionne. Énigme. D'abord. Si c'est rouge, c'est que j'ai oublié un truc. Donc. Soit c'est un fragment de cristal. Il y a forcément un truc que j'ai oublié. Ou alors c'est dû à la porte. Bah ouais, donc. Donc c'est que j'ai oublié un truc. Ah non, rouge, c'est juste que c'est pas complet, non ? On va ramper comme une grosse merde un petit peu partout. Histoire de trouver. T'inquiète, tu y retourneras. Ah, je vois alors. Tranquille. Allez. On continue alors. Ah, apparemment là il n'y a que dalle. Ok. Alors. Trust in light. Trust in light. C'est pas hyper compliqué. Bon, sachez que c'est vachement plus lumineux chez vous que chez moi. Dire que j'ai dû gâcher 2 balles. Sérieux? Sérieux, t'as gâché 2 balles? Une fois que j'arrive à faire une énigme, genre du premier coup. Oh! C'est charmant. Ah, mais de toute façon, il n'y a rien à faire en fait. Je sais pas pourquoi, par précaution, je check quand même. Attends. Help me, brother. Nope. J'ai rien contre les portes qui s'ouvrent toutes seules, mais c'est pas ce qui m'inspire le plus. Oh. Putain, en plus, de base, je voulais arrêter le live à minuit, mais c'est le genre de jeu que je peux continuer. Ah. Regarde, maintenant il y a mon petit truc. T'as vu ? Et ding ding. C'est trop. J'aime trop. Youhou. Oh. On est sur un caca censuré, tu me stresses avec le couteau. Ah bah là c'est clair que ça va être déstressant. Regarde, il bouge partout, c'est trop cool.
Alors, candidate, Irina, Michaela, Laurie, Loïs et Ingrid. Rejetée, Dandora, Greta, Nadine, Gamelia, Bianca, Melina, Astrid, Lyudmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Ok. Est-ce que c'est les candidates pour le sang de vierge? Non, mais ne fais pas ça, genre. Arrête. J'ai le même. Mais je l'aime bien celui-là. C'est mon préféré. Même si je trouvais que le pack cher de Resident Evil, pour moi, il ne valait pas la peine. Mais ça faisait plaisir à mon amoureux d'acheter le pack plus cher. Donc moi, j'en profite. Hein. Mais je trouvais que ça valait pas la peine de payer plus pour ça, quoi. Irina, appétit vorace, Michaela, appétit, instable, reprend parfois conscience. Quelle joie. Oui. Bah, le surplus de Moon et le gun shooter, ça est grave. C'est quoi le gun shooter? Ah oui, c'est le gun qui est en plus là. Oui. C'est vrai, mais d'un côté ça te coûte 20€ en plus, je crois. Ouais, c'est ça, c'était 20€ en plus. Est-ce que ça vaut la peine de payer 20€ en plus pour avoir plus de munitions dans un jeu, tu vois? Je sais pas. Ah, du coup, c'est bon. Combien de temps de jeu pour toi? Bah, là, ça doit faire 3 heures que j'y suis. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Allez! Viens de base. Ah bah il est là. Allez. Allez, il faut ouvrir la porte. D'autres qui veulent me filer des objets que je pourrais revendre par la suite. Je me suis beaucoup trop habituée aux jeux d'horreur, les gens. Oh là, je vais pouvoir vendre tellement. J'ai hâte. Oh, j'aime bien les bombes. Ignoré. Quel manque de respect. T'es passé à côté de moi comme si j'étais pas intéressant. C'est vraiment pas cool. Tout ça pour des lay, quoi. Je suis tellement déçue. Non, 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 pour le moment, j'ai pas trop trop peur. Hein. C'est la mine. Ouais, bon, là, sinon, je peux pas. Est-ce que je peux toi? Ouais, non, je me dis là. C'est un test.
Viens au soleil. Il est pas censé mourir au soleil. Ah non, c'est pas eux les vampires. Bon. Du coup, j'en étais où? Ah oui, fallait que je récupère tout ce que j'avais pécho. Ah, mais je crois pas qu'on peut aller dans le truc d'à côté en fait. Peut-être qu'il faut y aller par le trou. Je sais pas. Y'a pas de cellule d'à côté en fait. Je dis du caca. Non, mais là aussi y'a un trou. Ah. Bon, est-ce que j'ai bien checké partout? Ils disaient bien. On va essayer d'être sûr qu'on nous prie, hein, quand même. Garde les colliers. Yes. C'est là d'où viennent les monstres. Ah, j'ai même pas tilté. Ok. En tout cas, il nous manque un objet. Bravo. Après c'est vrai que l'objet peut être ici comme j'ai pas encore. Bah oui, je suis con. Hop. Non, toujours pas. Attendez, je vais peut-être quand même prendre un... Yes. À quoi qu'il considère l'escalier encore comme un truc. Ah non, il me manque un truc. Est-ce que on essaye de platiner le jeu et on essaye de tout trouver? Ou alors, allez, on avance normalement, tranquille, et si on n'a pas un truc, c'est pas trop grave, quoi. Pas grave? Ok. Moi, ça me va. Hein. T'auras pas le platiner. Je me suis chauffée parce que du coup j'ai réussi à platiner Take Two et tu vois. Je me dis, oh, il y a moyen. Tu as arrêté des chèvres en bois. Quoi? Des chèvres en bois? Qu'est-ce que c'est? Il y avait des chèvres en bois? Oui, alors en effet, j'ai peut-être raté un truc ou deux. J'étais quand même sûre d'avoir acheté un crochet. Hein. Je me sens un peu con du coup. On fera un petit débrief à la fin. De ouf. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Mange. Les objets avant tout. Je veux me noyer. Moi je t'avoue qu'à la fin du live, je vais dormir. Grande majorité. Parce que, comme on dirait en néerlandais, ik ben een beetje. Comment est-ce qu'on dit fatigué en néerlandais? Le sang est plus sucré. Fatigué. Il me fait jaillir d'une proie encore vivante. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Mais à cause de toi, j'ai raté la boîte. J'ai raté la boîte, madame. Ça, tes balles ne font rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, mes munitions? Je vais te trancher la gorge et la remplir de verre.
C'est possible. Eh bien. Moi, je suis censée la tuer. Ça doit coûter cher. Ça doit ramener de la thunesse. Je vous le dis. Je le sens. Je peux pas retourner en bas pour aller récupérer ma boîte. Yeah. Alors, ma boîte. Oui. Où en étais-je? Merci, Mickey, de m'avoir prévenu qu'il fallait la tuer. Parce que je pense pas que j'aurais tilté toute seule. Mais pourquoi quand on fuit ça marche pas? Ah, what? Oui! Non, oh, il y a encore des trucs. Oh, tant pis, on avait dit qu'on platinait pas, mais au moins cette boîte là, je la voulais. Bon. Allez, courage, je te laisse à ta vie. Non, je te... Merci! Elle crie beaucoup quand même. Oui, elle crie beaucoup! En effet. Mais je me disais qu'elle était trop forte et qu'on pouvait pas la tuer. Ça me paraissait logique. Et encore merci pour le raid. Aha. Je sais que vous devez tous être assez fatigués, mais ça fait 2 mois que j'ai pas joué à un jeu vidéo, vous comprenez? Donc ce que ça veut dire, c'est que là, je vais refaire une pause cigarette. Et après, on va continuer. Comprenez-vous? On va pas continuer jusqu'à ce qu'on le finisse. Non, tout de même pas. Mais on va le continuer un petit moment quand même. C'était dur de le toucher. Merci pour le paix. C'est le joie. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Et tout de même. De toute façon, les rediffs et tout ça, c'est toujours disponible sur la chaîne YouTube que vous avez en lien dans la discussion. Du coup, maintenant, on est à peu près à 3 heures de jeu. Qu'est-ce que vous pensez du jeu, pour le moment? Ici, dans le chat. Avoir un peu votre avis à tous. J'essaye de vous faire participer, d'accord? Bon. Moi je m'endors donc je fais dodo. Et ça fait pas trop peur pour leur sang, ouais, hein. Je pense que c'est plus du Resident Evil. Mais bonne nuit en tout cas Audrey, merci d'avoir été présente sur le live, ça m'a fait hyper plaisir. Et oui, en effet, ça fait pas hyper peur pour le moment. Il y a moi qui regarde silencieusement. Non, ouais, pour le moment, ça fait pas hyper peur. Donc bon. Il faudrait que je fasse comme ça, tu sais, que j'ai un truc pour dire au revoir. Moi, pour le moment, tout ce que j'ai, c'est... Enfin, peut-être Audrey veut voir ce que j'ai, mais tout ce que j'ai, c'est... La place de la femme, c'est à la cuisine! Ah si, j'ai un au revoir. Il dure longtemps. Au revoir. Ah. Ah, si, oui, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Et ça. Le respect, le respect, le respect, le respect, le respect. On communique dans le respect. Oui. J'aime bien celui-là. Mais il faudrait que j'en mette beaucoup plus, des plus chouettes aussi, qui est un peu pour tout, quoi. Ça serait cool.
toute façon, si on arrête avant la scène, je vous enverrai sûrement chez lui. Parce que c'est toujours sympa. Non, mais du coup, ça va faire peur à un moment. Parce que moi, mon copain, il m'a dit que c'était lui qui faisait beaucoup plus le jeu d'horreur que. Mais what the fuck? De quoi, pour le respect? Le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, on connaît les temps, le respect. Quel choix. Je l'adore. Je l'adore vraiment. C'est mon préféré. En même temps, tu m'étonnerais que tu t'endors, il est minuit 17. Ça fait 3 heures que je suis en stream. Vous comprenez pourquoi j'aurais pas pu bosser? Pour l'instant, c'est tranquille, mais attends. Ben, j'espère. Hein. Moi, c'est ce que j'attends d'un Resident Evil, c'est d'avoir un peu mes tripes qui sont mis à l'épreuve. Là, pour le moment, je ressens pas trop mes tripes. Ouais. Pour le moment, on a beaucoup les coups classiques des jeux d'horreur, quoi. Oui, pour ça, pour le respect. Ah, mais je l'adore. C'est mon préféré. Tu as pas autant de mun, hein. Oui, c'est vrai. Ni de vie. C'est vrai. Mais j'attends à avoir peur. J'ai besoin de peur. J'ai besoin d'adrénaline dans ma vie. Mais oui, elle est trop bien, la musique du respect, quand même. Et après, je vais pouvoir recommencer les reacts. Les gars, faut savoir que sur YouTube, ils ont mis toute la saison de Face au juge. Donc, pour une fois, on va pouvoir se foutre de la gueule des Belges et pas des Français. Vous allez être contents. Non mais Face au juge, c'est incroyable. J'adore cette série. Elle est énorme. Et à mon avis, je reprendrai les réacts, tout ça, après mon jury de fin d'études, je pense. Quoique... Ah, sorry, je commence à être fatiguée aussi. Ben, je propose qu'on fasse encore un petit 30 minutes, un truc du genre. Oh! Merci, Sun! Mais je venais de dire que si je finissais avant toi, j'allais envoyer les gens chez toi. Hello, opératrice! Hello, Neb19! Hello, tout le monde! Oui, vous arrivez un peu pendant la pause clope, hein, désolé. Oh, merci! Merci beaucoup, Jailsbad! Hello tout le monde, c'est trop gentil. Merci beaucoup, il faut vraiment que je change mes alertes parce que là c'est un peu de la chiasse, hein. Faut pas se mentir. Oh. Hello. Attends, j'essaie de... Misha, ça se dit comme ça, Kimisha? Sofart, bah oui. C'est intéressant dans les jeux d'horreur de pouvoir faire des sons comme ça. Hello Oni. Je suis fatiguée, je dis de la merde. Oxyurao. Je peux t'appeler Oxy, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Merci, Sun. C'est trop gentil. En plus, oui, j'avais prévu de faire un raid chez toi. Oui, pour Oxy. Ok, parfait. Merci. Oui, sinon, si tu m'expliques comment je peux le prononcer, je peux faire un effort aussi. Donc, bon bah je finis ma clope dans 2 secondes et on reprend du coup. Voilà. Ah bon en fait je finis. Ça fait trop plaisir. Oxy c'est bien, ok. Faisons ensemble devant des zombies. Et... Alors ce RE Village, plutôt, on va dire c'est comme ça. Voilà, comme ça vous voyez ma tête un peu quand même. Bah pour le moment j'ai pas trop eu peur donc je suis un petit peu déçue. Après... Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai l'habitude un peu des jeux d'horreur. C'est ce que je préfère, et du coup... pour le moment, c'est pas encore trop hard, c'est plutôt chill même. Il est bien ce Castlevania, ouf. Ah, du coup, je vais pouvoir faire ma voix. Une autre servante a été envoyée au sous-sol.
Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang, et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allée à la recherche, et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que la peau sur les os, et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine, et vu que ta lettre s'est trouvée là, tu dois être la prochaine. Ah oui, c'est dans ce genre-là. Bah, en vrai, plutôt, hein, Enfin, pour le moment, je ressens moins l'horreur en question. Oh! Il y a beaucoup de sang. Et de la viande. Ah, des chèvres! Bon, je crois qu'on a... Attends, je viens d'où? Ah oui, je précise, je n'ai aucun sens de l'orientation. Non, je suis pas allée par là. Oui! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Où est-ce qu'il est? Yeah, j'ai un truc. Vous avez vu, j'ai un petit porte-bonheur là sur... C'est pas hyper pratique en fait. Sam! Hello! Ça fait trop plaisir! Putain, mais j'étais sûre d'avoir des crochets, ça me saoule. Crotte. Ah, ben un crochet. Justement. Allez, je vais dormir, passe un bon live. Merci. Bonne nuit, Son. Et encore merci pour l'Ocred, ça fait trop plaisir. Et merci pour le tuyère. Ah, un ange en bois. Mmh. Je m'attendais à un truc un petit peu plus luxueux. Je suis déçue. Du coup, j'ai tout. D'abord, on va fouiller avant de déverrouiller la porte. Hein. C'est le plus intelligent. Ah, tu lives dimanche. Bah, je passerai peut-être te faire un coucou. Moi, j'ai pas prévu de live ce week-end. Donc, oui, je passerai faire un coucou. À dimanche alors. Ah, on est de retour là. Putain. Je peux pas juste partir. Je veux partir. Je veux partir de cet endroit maléfique. De toute façon, putain, je suis perdue. Je suis déjà allée là. Oui. Clé de la cour. Attends. Attendez. Vous imaginez même pas à quel point j'ai pas de sens de l'orientation. C'est incroyable. T'as récupéré une bouteille de vin. Oh oui, c'est vrai. Je suis déjà allée là. Et j'ai récupéré. Et l'ange en bois, c'est pas pour là. Non, non. Mais je sais où la mettre. Je crois. La mettre dans ma chambre à coucher, non? Attends, je sais plus maintenant. Non, c'était là. C'était là. Eh. Mais. Par contre, tu as le marchand. Où ça? Où ça? Où ça le marchand? Mais où t'as vu le marchand? Mais j'ai pas vu le marchand. Vous avez vu un marchand obèse là qui prend à peu près toute la place? Mais non, il y a un marchand. Mais. Où? Dans le chota? Dans le château? Dans le chota. Je suis fatiguée. Je dis des mots qui n'ont pas de sens. Putain, j'allais redire dans le shoota. Dans le château en bas de la pièce. Niveau des anges. Ok.
Attends, déjà, moi, je viens de cette pièce-là, pas de celle-là. Si, non, je viens de celle-là, je sais plus. Ouais. Cette pièce, elle m'inspire tellement pas confiance. Attends, je vais aller checker ça. Au niveau des anges. Donc oui, là. Attends, du coup... Ah, c'est ça les têtes des anges. Ok. Ah. Comme nous nous retrouvons. Qu'est-ce que vous faites là? Les affaires sont les affaires. Ok, on va t'acheter fou le truc. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Quelle question. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Je suis bouddha. Sait-on jamais? Que veux-tu que parle? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Attends, j'ai mes clés, en tout cas. Vous cherchez quelque chose en particulier? Ouais. Ah, déjà, j'ai un peu plus de thunes. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. En fait, et je le fais pour une somme modique. Les petits ruisseaux font de grandes rivières, comme on dit. Les bustes, il faut les vendre aussi? Et le verre, il faut les vendre? Non, mais ça ramène max thune. Il faut... Ah ouais, t'avais dit la valise. Un de mes articles les plus populaires. Mais vous voyez que je l'avais acheté. Ah par contre, maintenant, je peux plus en acheter. Ah oui, on avait dit le petit flingue aussi. J'espère que ceci vous sera utile. Mais du coup, mes kits, tout ça, je dois les vendre? C'est assez bon, je suis riche. Je suis riche. Ouais, il faut les vendre. Oh oui. Comme toujours, une transaction honnête. Ça, par contre, je dois pas le vendre. C'est un investissement, Ethan. Alors. Une modification comme celle-ci ne prend qu'un instant. T'inquiète. On est riche. On s'en bat les couilles. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Sinon, c'est bon. Normalement, on est bon pour le reste. Hein. On est bon. Je vais quand même prendre un petit peu de cartouche de fusil. Ah! Yep. Bonne journée. Ok. Attends, comment est-ce que je fais pour le changer dans les raccourcis? Oh. Oh. J'apprends. Évidemment, on sauvegarde. Attends, je vais sauvegarder là. Oh. Entrer quelque chose de sphérique. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'on est bon. On est bon, non? On a tout ce qu'il nous faut, on a des munitions. Mais du coup, j'ai pas checké ici. Ou c'est genre moi qui ai aucune mémoire si là. Je crois qu'il a le Covid. Monsieur, il faudra faire un test PCR. Vous inquiétez pas. Si, ok, c'est juste qu'il a apparu comme ça d'un coup. Ok. Allez, on va retourner dans notre petite cave à vin. Ouais, on a full munitions. Putain. Oh là là. T'as de la chance, j'étais dans le menu. Hein. Ah. Je vais quand même voir si je peux pas créer 2-3 trucs. Bon.
changer le gun, non? Tu comprendras pourquoi il y a ça. Ah, tu veux dire que genre, je dois changer complètement le raccourci, quoi. Je sais pas comment faire. Je crois que je le mets là. C'est celui vers la touche du bas, le bon. Yep. Mais comment je peux changer ça? Ah, tu veux dire que j'avais mal... Ok, que j'avais pas équipé le bon gun. Mais quoi, du coup, toi, t'as pas ce gun-là? Si je comprends bien. Attends, non, les escaliers, ça. Non. T'as l'air déçu de pas l'avoir. Peut-être qu'il a chié, hein. On sait pas. Ok, c'est vers la salle à manger. Il n'y a pas de son. Je t'ai fait visiter. J'ai envie de tester un peu. Bon, j'ai déjà tué ta sœur, madame. Oui. Oui. Pardon. Attendez. Allez, viens. Allez, viens. Mais elle me suit plus. C'est pas cool. Moi, je voulais la tuer. Je suis un peu déçue. Mais. Oh. J'aime bien casser des trucs. C'est une joie. Attends, il y en a peut-être un deuxième à casser par là. Non, je suis déçue. On n'a pas trouvé fou le... Ouais, il y a plein de... Ah, la salle à manger, apparemment, on n'a pas tout trouvé. Vous croyez que je rentre dedans pour checker le... Merci, ça... t'étais pas censé aller dormir, toi. Quel monde de gamins. Heureusement que j'ai pas fait des trucs comme toi où ça peut changer de scène et tout. Ah, c'est le moment. Genre, elle a pas entendu le bruit. Oh, Alex! Heureux! Attendez, je vais d'abord retourner fouiller la cour. Il me manque des trucs. Mais le but c'est pas de platiner le jeu. Mais au moins si je peux avoir tous les objets qui me servent à quelque chose. Si, mais je suis prêt à tout pour un prout. Je ne suis jamais partie. Oh, ok, parce que tu parles moins que d'habitude. Ah. Alexios meurt. Quoi? Non, il manque toujours un truc, hein. Bon, vous savez quoi, tant pis. Pas là pour platiner. C'est quoi ce truc? On va pas platiner le jeu de toute façon. Parce que je n'ai pas assez de skills. Donc bon. Où en étions-nous? Je me retirer que j'ai plus aucune porte. Je suis en mode. Oui, bon, on a vu la méchante, mais bon. Eh, y a pas de temps à perdre, hein. Dame de ma chaise. Ciao, ciao. Au revoir. Il faut que je fasse des alertes pour dire au revoir. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? C'est le moment où je dois me casser en courant, je pense. Yeah, une carte. Ouh. Oh, t'as même un spa de sang. Oh. C'est agréable. C'est bon pour la peau. Ah. C'est une pièce qui a l'air de servir à rien. Elle a pas kiffé. Ouais, non, elle a pas l'air d'avoir trop kiffé le fait que j'ai tué sa fille. Mais c'est sa fille qui a essayé de me tuer, de toute façon.
Moi, j'y suis pour rien. Si sa fille avait pas essayé de me tuer, je l'aurais pas tuée. Oui, en plus, il se peut que je détruise absolument toute sa maison. Je ne vois pas où est le problème. Oh, vous vous aimez maintenant. C'est trop mignon. C'est pour ça que tu parles plus sur mon live. C'est parce que maintenant t'aimes Sun, c'est ça? Hein? Tu m'abandonnes. Ok, pas de soucis. Par contre, je l'ai entendu crier, mais j'ai aucune idée d'où elle vient. Attends, il y a... Bon, d'après eux, il y a une pièce ici. Il y a une terrasse. Ok, bref. Et là, il y a une porte. Il faut qu'on ne peut pas ouvrir. Oui, je vais regarder la carte toutes les 3 secondes. Hein. Ça va être grave casse-couille, mais... Mais c'est ça où je vais me perdre. Ok. Ben... Voilà. En vrai, c'était mon tour de garde chez Locklear Toonane. Je n'étais pas là, je plaide coupable. Ah! C'est donc ça. Attendez, j'ai raté un truc là, y a pas moyen. Ton tour de garde. Ça me fait rire. Ça me rassure alors, je suis contente. Mais tu dis peut-être j'ai fait un truc où t'es fâchée ou quoi. Et comme j'ai souvent l'impression que les gens ils sont fâchés sur moi, je sais pas pourquoi. C'est genre une intuition que j'ai constamment. Attends, mais qui? J'ai raté un truc. Je suis complètement teubée, dis-moi. Pourquoi j'arrive toujours à me perdre? Mon plus grand problème dans les jeux d'horreur, c'est même pas l'horreur, c'est parce que je suis perdue à H24. Oui, t'as raté un truc. Non. Bon, bah... Ah, attends. Ah non, c'était juste ouvert. Elle est où la porte maintenant? Juste à côté. Alors, le permis? Bah, disons que je l'ai raté. Mais je leur passe le 14. En vrai, suis la logique. Mais du coup, ouais. Je l'ai raté pour un truc tout con en plus. Hein. C'est-à-dire, il m'a dit que ma conduite, elle était parfaite, mais à un moment, on était sur l'autoroute. Tu vois. Et au lieu de rester sur la bande de droite, j'ai changé de bande et je suis allée sur la bande du milieu. Et c'est pour ça que j'ai raté mon permis. Oui, en fait, c'est une longue histoire. J'ai genre un pote de la famille d'Arthur qui m'a proposé de passer le permis plus tôt, mais j'avais quand même gardé la date du 14, tu vois. Au cas où, si jamais je le ratais, donc je le repasse vendredi, quoi. Tu m'as dit suite à logique. Ce serait un ami qui l'aurait filé. Un ami. Comment ça? Non mais ouais, du coup, ça m'a saoulé. Attends. Je suis sûre d'avoir vu un truc qui disait que je pouvais appuyer. Non, mais le seul truc où j'ai pas vraiment pu regarder, c'est là, quoi. Dur. Ouais, de ouf. Merci. Bah maintenant, je sais... Je sais les choses à ne plus faire, quoi. Quand les femmes sont insensibles aux avances d'un homme, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Elle me fait le tape partout. Énigme. Quand les femmes... Ah, il va falloir tourner un truc. Donc.
Vous savez à quel point je suis pas douée pour les énigmes. Ok, quand les femmes sont insensibles. Quand les femmes. Attendez. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Les femmes sont insensibles aux avances des hommes. Il réussit. Merci. Vous avez vu, je me suis améliorée là sur les énigmes. Il y a quand même une avancée phénoménale. Il y a quelques temps, j'aurais pas réussi. Oh! Elle est trop mignonne! Ah, je dois taper dessus! Trop bien! Elle bougit la tête et tout, c'est trop chou. Ah putain! Alors c'est bon, tu vas pas te plaindre, hein, t'as vécu pire hein, là pour le moment. Un petit bain de sang, c'est bon pour la peau. Est-ce qu'il serait pas temps de tester le nouveau flingue ? Alors, j'ai vu un truc. Tester le nouveau flingue. C'était pas forcément tout de suite. Hein, t'es pas obligé de me répondre, en fait, le jeu. Boum. Dans la tête. Boum. Dans la tête. Dans la tête. Dans la tête. On est sur une amélioration, quand même. On est sur un skill qui s'améliore au fil du temps. Il est passé de inexistant à existant. Vous avez vu où il était? Il est là. Insensible aux balles, je peux plus faire grand chose. Oui, monsieur. Ok, je crois qu'il faut reculer encore. Voilà. On fuit, on attaque. On fuit, on attaque. Ah, et on recharge son arme aussi. C'est bien ça. Yay! Attends. J'ai pas été incroyable. Ah oui, bah maintenant c'est un peu tard. Ok, je n'ai pas été incroyable. En effet. C'est deux choses qui arrivent. Ah. Bon, je vais sortir le vie à pompe parce que là il me saoule un peu. Oh, c'est tellement mieux. Quel choix. Je sais, mais qui tu me diras sûrement que il vaut mieux que je garde mes munitions de fusil à pompe
pour des moments. Il faut pas surgir sur les têtes des gens comme ça. Arrêtez la tête. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça fait de la thunesse. Tu mets 5 balles de flingue, il est mort. Ok. Bah en fait, il faut juste que j'ai un truc que je n'ai pas actuellement, c'est-à-dire de la patience. Allez, il va falloir mourir là. Très bon, c'est un Resident Evil quoi, on sait. J'en mets presque 10. Sérieux? Putain. Juste parce que t'as pas cette arme là? C'est ça? Ouais, cool. Pas cool. Non. Pas pour soi quoi. Pour moi c'est cool. Attends, je viens d'où du coup? Ah oui, t'avais dit la carte. Ah, il y a une échelle. Il y a une échelle que je n'ai pas vue. Attends. Mais je préfère quand même le fusil à pompe. Hein. C'est clair, c'est efficace. Kalash, pardon. Tout va bien dans ma tête. Je vais bien. Pour ceux qui ont la ref du Kalash. J'espère que vous avez la ref du Kalash. Sinon, il va falloir qu'on regarde ça aussi. Hein, vous êtes au courant. Je commence à avoir faim. Ah, ça va faire 4 heures en fait qu'on live. J'avais dit on se refait un petit 30 minutes. Ah, ça j'ai pas encore pu regarder. Est-ce qu'on arrêterait pas là? Je sais pas ce que vous en pensez. GG m'aurait le jeu de mots. Et... même. Du coup, est-ce qu'on n'en arrêterait pas, on arrêterait pas là? Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez encore une heure de live ou quoi. Ou si vous êtes fatigué, que vous avez tous allé. Oh. Le téléphone sonne et personne ne répond. Le téléphone sonne. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et mais je vais arrêter, beaucoup de fils à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh, diable, cette cérémonie! Cet homme
va payer pour tout ce qu'il a fait. Ok. Et bien sur ce, jeune Jean, je me mets en intermission. Ah oui, du coup, il n'y a plus la caméra. Okay. Je suis un peu con, parfois. Voilà. Mais voilà. Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents, comme d'habitude, et d'avoir été présents après cette longue pause de moi. J'espère que le live vous a plu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'outro, donc... Donc, j'ai perdu l'habitude. Non, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours là, et voilà, ça fait trop plaisir, je suis contente. 100 balles. Quoi? 100 balles? De quoi tu parles? 100 balles. Comme ça. Et non, les scènes d'alerte ne fonctionnent pas sur cette scène-là. C'est dommage. Mince alors. C'est con. Mais ouais, et du coup, le prochain live, normalement, ça sera lundi ou mercredi. Comme ça, vous savez, ça sera toujours sur Resident Evil Village. Et dès qu'on aura fini Village, on continuera à Plague Tale Innocence. Évidemment, comme j'ai encore ma BD de fin d'études à remettre, vous vous doutez qu'il n'y aura pas non plus énormément de lives. Mais ça sera déjà plus régulier que 2 mois sans rien, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. On est combien pour cette fin de live? Regardons ça. 7 spectateurs. Bah ouais, il est trop cool. Bah merci à vous tous. Et j'espère que je vais récupérer mes subs. Abonnez-vous à la chaîne. J'ai besoin d'argent. C'est pas totalement une blague. Hein. Et... voilà. 762, ah, ça serait cool. Donc bon, bonne nuit tout le monde. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et on se retrouve, du coup, soit lundi, soit mercredi. Et changement de scène pour la fin. Il faut que je trouve des musiques là pour la fin. C'est bon, changement de scène. Et fin. J'adore faire ça. Quelle joie. Et encore merci à Son pour le raid. Merci beaucoup.